Tozali kaka na kati ya émission na biso ba mama ba tata ba ndeko partout bozali mbote. Lelo nasa na esengo, esengo munene ya koyamba batu mibale. Cela na ba présenter bango ha. Na loboko na ngai ya mobali Basile Diatezo ndeko na biso ya Congo Central. Ye nde bomona ki ye na conférence ya ba Tutsi congolais asana makambo ebele ya koloba pona makambo etali est de la République démocratique du Congo parce que aza expert pe spécialiste ya est de la République démocratique du Congo na loboko na ngai ya mwasi bino moko boyebi wa Kumpala président ya parlement Matongé chez Babi de Schengen, et autres salles à mercredi. Yango na invité qui est. Yango banda reposé ma question. Makambo Oyo Italie est de la République démocratique du Congo. Dernièrement, Bilomoko Bolandaki, Balobil, Tusi, Hutu Congolais, Azalakate. Ma question, Nyosoana, te reposé, spécialiste Nabiso. Papa Basile, Mbote. Mbote. Sangonin. Ben, Sango. Kaka, Makamambokati. Tout le temps, la gare de Yoka, Maoa, Makamuningi, Zoki, Namboka, Kumi Yembele, Yembele, et Zela. Okumpala, président, Mbote? Mbote, Véretti. Oye, Kakapona, Makamamboka, et Bikamboka, Nabiso, les Anabanungu, Nungu, et Bele, Bambutu, Mutu, donc, vous voyez, Bate. Donc, tout ça, les Koloapi, il y a un peu de gars, vous savez, Kamamboka, Kamamboka, Nabiso, tout le monde, tout le monde. Bon, tu côté directement, Papa Basile, yo oyebi makambo ya est de la République. Est-ce que Hutu, Tusi, toi, Congolais, Bazalaka ou bien Bazalaka te? Le bon nom makasi parce que moi volume. Hein? Mais question wana, Zali vraiment coupé sa naï sonimi. Soni mingi eza lokola banyama baza na lopango na ferme moko kolo ya ferme ati bango wana bataba bangulu basoso banyama wana bayebi te pourquoi baza na kati ya ferme wana me kolo ya ferme ayebi pourquoi ati banyama wana na ferme le Congo c'est ça mondele asali ba frontière wana biso toza na lopango wana mondele alobi ke na lopango na ngai Songolo Azali, Pakala Azali. Yo, 60 ans après, Ozoko Lbaga, que ah, tu es Songolo te, tu es Pakala te. Donc, Ezako Lakisa, Ozoba, Zali Lakisa, Ezako Lakisa, inconscience. Parce que, ne fût-ce que, bah, homme politique, bah, éclairer population. Quand on a éclairé population, il faut bazala na connaissance ya mboka na bango bazako sala politique pona mabumu na bango bako sala politique pona ko résoudre ba problème té ngai nazali kinoa ba parole na nga bazala ba Congo mais en tant que homme politique tant nazako mona ba ndungu ndungu eza ko leka na est kuna na lobi mais il faut na comprendre makambo eza ko leka na est na kena est na soila bato na zongi na kena ba bibliothèque na consulter tout ça la ti na monique a côté boye il faut to droite l'orientation alors ba hutu congolais bazali ba tuti congolais bazali ba toi congolais bazali nyonso wana depuis conférence de Berlin Léopold II, na territoire naïe, a recensé une population congolaise d'expression kinyarwanda. Na 1910, tango balman, na ba belge, ba yeko sala ba kor na bango pona ko réajuster ba frontière coloniale na bango ya Afrique, Allemagne a cédé une partie. Il y a royaume Rwanda na Congo, une partie il y a royaume Rwanda na Uganda, une partie
biso ma congolais te céder une partie à Congo na Rwanda. Donc ce qui m'ont délé à l'obango que Hutu azali, tout azali. Bongo entre biso ba africain attaque tout bozoba yango. Bongo sunga mboka ngo na bozoba, bongo yeba mboka na bino te. Boliga ko lia mbongo ya politique pona ko résoudre ba problème boza incapable ya ko éclairer population tala mboka na biso azali boye to tala direction to sala yango. Ba Hutu na ba tout congolais bazali na ba toi bazali. Po ya ko continuer na ko yebisa bino que Basil Azalaki représentant ya IDPS awana Benelux Azalaki chef ya président Félix Tshisekedi Tshilombo. Bongo te papa. Bien sûr. Quand on avait le président fédération, président Fati, Azalaki parmi les jeunes militants dynamiques ya fédération nangai bangonde bazalaki ko sunga ngai ko soutenir ngai. Donc naibi Félix, très bien, il a eu une motivation, il a eu une détermination. Wakumpala, Oyoki, papa. Bon, ils allaient dialogue, hein? Dialogue. Makambo, il y a un lobby, il y a un lobby, Nini. Ce que vous avez la question, opposé, parce que vous avez représenté le Parlement. Oui, on a représenté le Parlement, Matongue. Le parlementaire. Le parlementaire, Matongue, voilà. Nayoki ndenge Monsieur Basile ndenge alobi ndenge alimboli wana mais peuple congolais Monsieur Basile baza na libungi mingi parce que moni peut-être peuple congolais pe alingi ko tanga mingi te mona normalement na mokili il faut boye pa ko tanga histoire na yo peuple congolais alingi ko tanga histoire na yo mais kono bate non Hutu congolais azali na tuti congolais azali na toi congolais ndenge alobi. Peuple congolais, mingi balingi bayeba ke tout congolais ezali mo e uti mingi na Rwanda par rapport ya Congo RDC. Ata tango salaka conférence de Berlin ya 1885 wana mingi bazaka no bela likambo ya Hutu na tuti na Rwanda bazaka no bela ngo mingi na Congo te sur ce moment la peuple congolais zote le melakema tuti Hutu congolais bazalaka te na ebite. Yo, za historien, mounen, za grand politicien. Expert, hein? Expert, voilà. Mais za historien, te. Ah, za politicien. Un homme politique. Homme politique, voilà. Homme politique, à mounen, na, pour un bon cannabis. Pour quand même, pour diriger le nom président, on a sur les places. Yo, pour diriger la partie, na, bino, on a dit à l'IDPS. Yo, pour expliquer au peuple congolais, nini, que, nini, nini, où tout congolais, a za pour exister dans le Congo. Pour que les gens aient un éclaircissement, où tout Congolais a existé dans le Congo, dans le marque Nini, dans le Nini, que tout Congolais a été dans le Congo. Mais les gens ne sont pas dans le Congo. Bon. Dans l'histoire précoloniale, il y a Rwanda, c'est-à-dire l'histoire avant que la colonisation européenne ait en Afrique. Dans l'histoire coloniale, il y a Rwanda, il y a précoloniale, il y a Rwanda. Il y avait une nation rwandaise. Cette nation rwandaise, Azalaki n'a pas caractéristique naïe. Et parmi ma caractéristique naïe, la vache Azalaki loko la richesse dans le pays. C'est comme les loyaux dans l'économie moderne, c'est l'argent, c'est-à-dire que la monnaie. Moto Azana Mbongo, yende akozala na force économique, yende akozala na force politique. Na tango wana ya kala moto aza na bangombe. Moto aza na bangombe minimum 10 azali na kategori ya ba kobenga bango donc classe ya batutsi. Donc ba bato bazalaki na ba moyens financiers na classe sociale na bango donc bazalaki batutsi. On bazali na ngombe ebele ya bangombe. Bon. Maintenant l'agriculteur, au basaki na bangombe te, bangunde bazalaki ba Hutu. Mais alors, il faut voir que Hutu na tuti ezabikolo te. Parce que dans un clan au Rwanda,
moi na kati ya clan wana ba hutu bazali ba tutsi bazali ba twape bazali et puis na tradition na bango na culture na bango moto azalaka hutu tutsi ce qui tata na ye azali hutu ou tutsi na pesa yo exemple. J'ai vu par exemple au Burundi, maman Moko Azali Hutu, Abala Hutu, Aboti, Bana on a Bazali, Ba Hutu. Parce que Tata Nabango Azali Hutu. Leki a maman Wana, Abali Tutsi. Bana Wana, Bazali Ba Tutsi. Parce que Tata Nabango Azali Tutsi. Vous au monde. Mais na buzoba ya biso ba africain ndenge ba mindele ba manipula ki biso, est-ce que yoko ko comprendre que bana wana ba uti li moko donc okuna parce que tata na bango zali utu bazala utu okuna tata na bango zali tuti alaki ba mama na bango bazali ba utu bana wana ba bomani pona ba idéologie oyo ba mindele ba kotsela ki bango na moto ozomona bon. Donc pendant plusieurs siècles, la communauté rwandaise, la communauté burundaise, vous allez vivre dans l'harmonie naturelle. Bien sûr, comme on dit, dans toute société humaine, il y a ceux qui gouvernent, il y a ceux qui sont là pour être gouvernés. Il y a ceux qui dominent, il y a ceux qui sont là pour être dominés. Donc, dans la société na bango, vous allez être éleveur, comme vous allez être dans la vache, vous allez être dans la force économique. Alors, il faut qu'on ait que dans la culture de Bango, un Hutu par exemple, ceux qui ont commis la vache et belé, par exemple, ceux qui roi Mouami na Bango, a Pessi, Hutu Moko, parce que Lingani ou Beza Semekinae, a lobi Kamata 20 vaches. Le fait qu'a Pessi 20 vaches, Hutu a commis tout. Parce qu'il a commis la vache. Automatiquement. Oui. Puisqu'il a abouti à la promotion sociale. Donc, on va prendre place à la tête. Donc, ma pessie, ou tout, a pessie, na outu, 20 vaches. Donc, roi, a pessie, na mouninga, na yemoko outu, 20 vaches. Donc, outu, on a automatiquement commis tout. Parce qu'à commis la richesse, il y a 20 vaches. Aux hommes, parce que pour nous, on a tout, il faut minimum 10 vaches. Bon. Tout, il paye. Ceux qui, par exemple, ont une vache, t'es. Azali naye, et l'autre côté, donc Azali quoi la route. Vous avez compris? Bon. Ceux qui ont à Bali, moi si à Tutsi, moi si on a sur Azali Bavache, où tu en as commis Tutsi. Tout comme paix, Tutsi, où il y a cause à la Bavache et Bélé, ceux qui, bah, Solina Roi, ceux qui roi Siliki, à Botolier Bavache, a commis Hutu. A commis Hutu, à Tutsi Nassé. Donc, ils ont une catégorie. Non, ils ont une tribute. Non, ils ont une tribute. Vous avez compris? Voilà, avant, mon délai. C'est un système instauré, système de. Système n'a pas beaucoup, donc, parce que, tant que les éleveurs, les agriculteurs, les Koutani, il y a plusieurs siècles, tant que les Koutani, bon, au Kunazako, au Kona Bilanganaï, au Kunazako Bokola, la Niemayanaï, l'Omenaï. Bon, à un certain moment, les Kamabele vont se poser. Ah, nous sommes appelés, mais ils ont minité, tous organisés. Bino éleveur, bino salaboué, bino agriculteur, bino salaboué. Mais le fait que Bobani faut s'organiser sur le plan économique, à un certain moment, pour s'organiser peut sur le plan politique, parce qu'il faut que nous commutions, qu'on soit décision pour toute la communauté, ouais, ben pour gérer, pour abattre, vous comprenez. Donc ils ont dit tango mutation sociologique, ils ont salama. Ils vont créer une communauté politique et la communauté politique qu'on a, les dominants, c'était les éleveurs, donc les tutsis. C'est tout. Vous au monde. À quelle période, Oyo, Tokomaki, ceux qui vont tous les anilotiques ou tout bantou? Non, c'est-à-dire que. À quel moment? N'a pas si d'abord historique, t'es? Oui, historique. Donc, avant colonisation. Avant colonisation, tu comprends? Parce que. Parce que faut te dire, Bango, aucun être humain en Afrique n'est sorti du terroir de son clan comme un champignon. Nous sommes tous venus de quelque part. Ouais. Vous avez compris?
nous sommes tous venus de quelque part. Nous avons une histoire, nous avons bantu tout à côté à Niger et à côté à Cameroun. Nous avons en Afrique centrale, en Afrique du Sud. Donc, nous sommes surtout en Afrique, tout à quelque part. Et puis, nous avons comment mon délende tant que colonisation est lié, mon délende a été sédentarisé. Donc, il y a une vendisation dans le pas mon aïe. Il faut séparer. Voilà. Tant que vous avez un côté maintenant, il y a le 19e siècle. Il y a colonisé l'Afrique, il y a tracé ma frontière sans que je consulte. À Berlin, il y a décidé, il y a Léopoldo, il y a l'Allemagne, il y a l'Angleterre, il y a tout ça. Mais tant que au Kabolawana, Babicolo, au Panzango, ma famille, au Kabolango, ainsi de suite. C'est comme Ngaï par exemple, j'ai des clans en Angola. Ce qui n'a coûté un élengue moi si en Angola. Ce qui a été signé à Kazamu Congo, on a tout naïe, clan naïo et Zali Nini. Donc nous vit là, naïe Congo, on a tout là-bas, nous vit là. Nous vit là naïo, clan naïo. Ce qui est un clan moko, n'a pas touché. Vous comprenez? On est dans la culture de l'Afrique. Donc, dans Rwanda, le clan de Bango, tant que vous construisez, vous avez des sangs, vous avez des balanas, et ainsi clan est venu pour vous faire des sangs. Parce que les loyaux, yo, vous êtes en Équateur. Bon, vous avez des balas, les gens qui sont en Congo. Vous avez des balanas. Vous avez des Le Banawana, Bazali, mi Équateur, mi Bakongo. Bon, à un certain moment, on a Moutete Laye, Moulubaye, comme si ce qui te banni au salam au cannabis, te banni au Sangisan, Nengewana. Donc, dans Rwanda, paix et Salamagi paix, Nengewana. Parce que Ngaï, par exemple, Nazan, Bami, Burundi, Barwande, ce qu'on talie, au talie Longinaye, Si vous avez un esprit à Congolais, vous allez dire Ah, oh, il faut la tout. Parce que l'on est à Moulaï. Mais si vous avez un esprit à Tunier, vous allez dire Non, vous avez tout dit, vous allez dire Où Vous allez dire Vous allez dire À Télémiwana, au Télé, l'on est à Oh, il faut la route. Donc, vous allez dire Non, vous avez tout dit. Mais c'est comme le président Michombero. Michombero, il y a Burundi. Le Belge, il y a un coup de temps. Na Burundi wana pona ko soutenir yeba kansei ke yazali out parce que balinga yebati out na préparer à ce que ça la coup d'état mais vous comprendre après que aza tout aza tout makambo yo ndenge tozakende mais tozokende tozokende na kamena mais non ba belge ba yé na colonisation ba européen pardon ba européen ba yé ko coloniser Allemagne liboso a bandi na Rwanda na Burundi. Léopold II a zana Congo. N'est-ce pas? Bon. Déjà au début, on attend la salle de la frontière, le conflit est là qui entre les puissances coloniales. Ah, yo, du coup, on a quoi? On a fait un gana Django. Ah, c'est comme ça qu'on a pas Congo. Mwanda. Mwanda, c'est là qui a Bissot. Enclave de Mwanda. C'est là qui côté la Bissot. Mais comme Léopold II a zala qui a sorti la merde, Léopold II a négocié avec les Portugais. Bapé ça y est sorti vers la mer, comme ça il y a cédé Bango Mwanda. Enclave de Kabinda. Hein? L'enclave de Kabinda. Oui, enclave de Kabinda, c'est ça qui a été. Ils ont écouté la mission. Mais comment est-ce qu'il y a Bango? Il y a Bango. Parce que ma Portugais, ma négocié qui n'a pas Léopold II. Hein? Yo, du coup, la boîte, on peut s'ouvrir, yo, peut s'abîmer. C'était comme ça. Mais tant que ça va partager, on va retourner à la mission africaine. Vous avez Bon, maintenant, l'Allemand, tant que vous êtes en Allemagne et vous êtes en Rwanda, déjà dans la période où on a en Europe, l'idéologie raciste et Zalaki ont émergé. C'est-à-dire, les Européens, dans la théorie biologique, dans la théorie scientifique, ont catégorisé Batu. À partir de peau, à partir de race, tout qu'on calcule. Tant que vous êtes en Afrique, Dans Rwanda en particulier, bah oui que bah l'éleveur rwanda bah a plus fin et lancé ainsi de suite tout ça là. Parce que la bango. Hein, bon, parce que faut qu'on y ait bango bien. Bah tout si oh y a kala
ndenge bazaki na rona bango bakobenga mutara hein mutara zalaki blai hein der na kisasa na kine zalaki ki un kino aza mulai bakobenga mutara parce que bagi milai mais caractéristique on a lelo na rona nous est sous ma casque comme très récessif très minoritaire le bail lancé voilà quand on va na Kagame voilà on trouve encore Kagame avec la famille royale côté à maman. Donc on trouve encore dans quelques familles où vous trouvez des petites grandes tailles. Mais va mélange salami, caractéristique qu'on a, et ça vous bon vous bon. Bon. Maintenant, comme je vous ai dit, l'Allemand, au lieu de la Ndenge, le Rwandais, Basala qui organisé la société dans le précolonial, eh bien, bateau le collabant de Basala qui dominé politiquement. Hein, bazana bangombe tout ça là et puis bazana mayele tout ça là. Donc race oyo eza race ya ya fuite. Et où ta kuna na nord. Na nord. Donc et l'Éthiopie, collé quand même Éthiopie. Et sur ba juif. Côté ba juif, puisque même des prêtres catholiques, la même c'est qui théorie on a que c'est une partie à peuple juif. Donc mundele mutaye ko bimsa. Avec ça, l'idéologie est raciste, raciale. Et maintenant, pour asseoir son pouvoir, stratégie à le pouvoir colonial allemand, Zalinini a dû comme allié tout. Parce qu'on ne peut pas se dominer. Donc, on a le Kodeka. Voilà. C'est ça. Bumba, voilà. Alors. Maintenant, en 1908, Léopold II a cédé Congo à Belgique. Bon, contentieux, bah, c'est là qu'il y a la frontière, et c'est là qu'il y a toujours. En 1910, Allemagne, Angleterre, la Belgique, a signé un accord de, accord de Londres pour réajuster leurs frontières coloniales. En 1910. 1910, accord de Londres. Ah. Accord de, quoi? De Londres. Ah. Hein? Ah. De bah, document, ils allient. Oui, accord de Londres. Bon, bah, pour réajuster la frontière, l'Allemagne va céder une partie du Rwanda au Congo belge, partie à Rutshuru, Masisi, Goma. Maintenant, en 1885, dans l'État indépendant du Congo, parti à Goma, Masisi, Rutshuru, et Zalaki à Banane. Mais donc, dans le réajustement, parti à Banane. Avant réajustement. Avant réajustement, c'est qui est allemand. Et Zalaki à Rwanda. Oui, bien sûr, c'est qui est allemand. Donc, Goma, dans l'État indépendant du Congo, et Zalaki à Rwanda. Rutshuru ya Rwanda. Oui. Masisi ya Rwanda. Oui. Pona nini biso to yeba kango te? Tomona kango te la histoire. Ezaka histoire te bachoko na mikanda. Ezaka histoire. Bon, ezaka histoire mais na histoire na biso. Mais na examen d'état tomona ngo te. Oui, mais ça veut dire ba école batangisa. Na ba école batangisa ba voilà. Sikoyo, yo oyé na eloko oyo. Tokolo ba oulie mbongo ya ba Rwanda parce que biso tomona ki yango na école. Na li yango ndenge nini puisque ba bibliothèque ezali yao. Qu'est-ce que ma bibliothèque est la photo et pas la vie sur bibliothèque où elle est athée. Il y a un jeune que je félicite, Trésor Moutombo. Hein? Il s'est intéressé à comprendre. Mais il a trouvé des livres dans le centre à Wallonie, dans la bibliothèque à Wallonie. Il y a un trésor où il y a un wapi. Il y a un trésor même la télévision. Il dit, mais voilà le livre. Mollers, l'ancien gouverneur il y a Congo. Il parle, il décrit. Les... Mais comment est-ce que c'est arrivé que non, ils ont dit qu'en Allemagne, alors, bah, il y a un exemple de ce qu'on a fait. Ils ont dit qu'il y a un accord. Accord de Londres, il y a un accord de Londres. Ils ont accord de la puissance coloniale. C'est comme dans le précis exemple, dans le Congo. Kabinda, ils ont dit qu'il y a un Bissot. Tu sais, dans le portugais, le portugais, le précis Bissot, ouverture de la mer. Donc, ils ont un arrangement dans le monde. Sans consulter les Africains, hein, donc on va dire. Bon, maintenant, donc, bah, céder
cette partie-là. Et cette partie, dans cette partie-là, il y avait déjà aussi des Houndo, mais qui étaient un peuple autonome, qui ne dépendait pas du Rwanda, mais qui était comme vassal, qui payait les impôts. Le Mwami de Houndé payait les impôts au roi du Rwanda. Hein? Donc sûrement, Nabobangi habite à la Soko, plus si vous montez dans le parce que le royaume de Rwanda, ils allaient du royaume pour conquérir la Bashi, les Bashi. Ce que vous Bashi, c'est un cas très dur vis-à-vis à Rwandais. Les amis, pour une histoire précoloniale, le roi du Rwanda avait tendance à dominer, donc à envahir les autres. Vous vous demandez, d'ailleurs, les loyaux chez les Bashi, Mouche Namboka na Yesongazako Tongandaku, porte principale, ils ont toujours direction à Rwanda. Parce que, ils ont culture là-bas, parce que, ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit, c'est comme ça dans leur culture. Vous vous demandez. Et puis il faut qu'il y ait que. Voilà, Bashi, Bashi, il y a des choses à Congo. Il y a des Bashi, quoi, les Bashi là. Comme les caméras, tout ça là. Les Bashi. Comme les Maman Denise. Voilà. Hein? Comme Maman Denise. Maman Président. Ce sont les Bashi. Et puis il faut qu'il y ait bien. La langue Houndé, la langue Chi, dans les Bashi. La langue Fulero, la langue Burundi. Ce sont des langues apparentées au Kinya Wanda. C'est-à-dire que ceux qui les bâchent, ils ne savent jamais que nous avons. Parce que les Kinois, ceux qui les bâchent, ils ne savent pas que nous avons. Bon, on va dire que nous avons. Vous avez dit Rwandais. Vous comprenez? Parce que la langue de Bango, ils allaient apparenter à la Kinya Rwanda. C'est normal. Même culture de Bango, la danse de Bango, tout ça, il y a les bâches. Ils ont une influence. Rwandais, ils aiment la casse. Et puis, un des Mwami y a Bashi, Databay. Aouta na famille royale y a Rwanda. Sokotali Databay, d'ailleurs, on va dire, oh, ils ont tout. Vous avez moi, Azamouche. Vous comprenez? Oui, bon, culture là-bas, culture y a Bashi, Wana. Oui, il y a Bashi, que non, parce que la culture y a Rwanda, Manini. Ils attaquent pas parce que bazar la bango frontière na Rwanda tant que bazar déjà la frontière moko pour se copier comme moi habitude non mais ce sont des peuples qui sont éparpillés hein? Je vous ai dit ceci, prenons le cas à Royaume Congo. Royaume Congo est banane Angola et que neti na sud ya Gabon, n'est-ce pas? Mais na katia Royaume Congo les Bakongo, il y a plusieurs variantes linguistiques. Vous savez, il y a un peu de choses qui sont différemment dans le ou bien dans le monde. Vous comprenez? C'est comme ça. Mais à un certain moment, ils vont vivre ensemble, tout ça, ils vont vers l'unité. C'est la nature humaine. Donc ne soyez pas surpris que. Les langues Houndé, Chi, Fulero, Barundi, tout ça là, et Zala, dans la concordance. C'est l'histoire, c'est comme ça. Basile, tous les gens qui ont été les Congolais, Bazo Zela. Bazo Zela, Oyo Bayo Kakate, accord Oyo de Londres, Oyo Baninga Koyo Kate, accord de Londres, Yo Lobi, Goma, Masisi, Rutshuru. Et Zalaki, il y a des Rwandais. Bapesi Biso. Biso Pé. Tchangungu. Biso Pé Topesi, Patina Biso, na. Tchangungu. Tchangungu. Tchangungu, wana. Hein. Ce sont les Bashi. Les Bashi. Mais vous avez dit que je suis Bashi. Mais comment les Rwandais? Biso Topesa Kibango. Oui, justement. Topesa Kimabele, na population. Voilà. Mais c'est comme Rwanda, tant l'Allemagne a cédé, na Mabele, na population. Problème en CDP na Uganda. Parce que na Uganda na province Kisoro. Ouais. Les Bafumbiro. C'est une province et Kangamana province ya Nord Kivu. Sauf que na frontière yo Bunagana. Bunagana oui Bunagana hein? Bunagana. Ouais. Boka ya feu directeur général ya douane. Rugiza.
Donc, ce que je comprends, l'accord à Londres, Basedaki, Goma, Rutshuru, Masisi, Mabele, la population. Donc, la population est basalaki wana. Oui. Donc, biso, a, sauf le Hunde, le Hunde qui est Rwanda, mais dans le Soudan, on a Congo. C'est ça. Donc, mais ça, c'est la barrage. Donc, biso pe, toujours quand il y a Mwanda na Kabinda. Voilà. Bango pe, Basedaki biso, Mwanda, voilà. Na population. Voilà. Biso pe to cede Kabinda, na population na biso. Oui. Bakomi ba Angolais. Voilà. Ba oye mosusu, bakomi ba Congolais. Ouais. C'est ça. Biso pe et au Sedaki, Rwanda, population, na Mabele, bah Congolais, wana Burundi peut pas Sedaki parce que bah Burundi, si vous, il y a des Burundiens, parce que bien aux autres monaco, oh venez moulenge, réfugiés, oh bah réfugiés rwandais, non, il y a aussi les Burundi Congolais, donc na plaine à Ruzizi, na plaine à Ruzizi. Ba Burundi, ba Sedaki biso parti moko, oui. Biso peto Sedaki bango. Balma, biso oui. Peto Sedaki bango. Oui. Maintenant, problème oya Goma, Rutshuru, Masisi. Oui. Biso tolingi maintenant Mabele, oui. Population wana, baza Banyarwanda, oui. Bazonga. Ah non, on est à Muzoba. Nande problème otoza na ngo. Mais justement, parce que awa balobi. Non, c'est là. Na conférence de Sarah qui dernièrement, le problème c'est que non, bah tout ils ont réclamé Mabele na Bango. Non, c'est faux. On est allé des informations. Oui, ils ont réclamé Mabele na Bango. Non, c'est faux. Voilà place Koko Sebandaki. Rappelez-vous, président Bizimou. Il y a un truc au milieu comme ça. Là. Tango, rébellion, il y a un fidèle aux amortas. Bizimungu, la salagi meeting na Tchangou. Allo, Bime. Oui. Allo, Bime, Bino va congolais. Population na Bino va banya Rwanda. Oui, va congolais. Pourquoi est-ce que vous avez méprisé? Pourquoi? Parce que vous avez congolais. Même le président est beaucoup de la République, alors qu'on a été à Londres, Banyamulenge, Bazaba Congolais. Bazaba Congolais. Non, quand t'as peine à vous expliquer à Banyamulenge. Mais le peuple congolais a cepé la guité. Voilà, justement. Mais c'est l'ignorance. Voilà. C'est l'ignorance. Eh oui, c'est l'ignorance. Ah, on peut non, le président Fatiak a raison. Bon. Tiens, Bizimou, alors, vous avez la population rwandophone. Donc, les Congolais d'expression qui n'y a rien. Il faut bon respecter Bango pour intégrer Bango. Mais dès que vous avez méprisé Bango, vous avez bien. Ce qui est bien, c'est que vous avez dit que vous avez Rwanda, vous avez prêt à regarder Bango, puisque vous avez dit que vous avez. Mais, comme ma belle est dans le territoire Rwanda, il manque de Sedaki en Congo belge. Donc, ce qui est bien, c'est que Rwanda, vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit Bango. Vous comprenez? Donc voilà, n'engue pas tout ce qu'on va interpréter ma belle. Non, pour le bas, on a ma belle na Bango. Donc il faut pas se battre à Rutshuru, Rwanda. Mais la puissance coloniale, basan va tracer une soana, basan va document. Donc problème n'engue na comprendre. Disso, oyo parti na biso ya. Non, mais c'est basé dans un esprit peuple congolais, on a besoin de ça. Eh, n'a pas comprendre. N'a pas besoin d'un peuple congolais. Moutoula Moutoua, à se comprendre, n'a pas besoin d'un peuple congolais. Yo peuple congolais. Yo peuple congolais. Toujours comprendre Moutoula Moutou. Toujours comprendre. Et l'eau connue, ni. Oh, y'a un politicien. C'est ça. Bah, y'a un sacabiso. C'est ça. Bango, ce qui n'a comprendre, y'a. Dizimungu à l'obaki. L'herbe c'est là qui parti, biso to cédé bino parti moko, bino Balma, hein? Ba cédé. C'est là qui parti na Congo. Na Congo, ba Belge ba cédé parti na Rwanda. Biso to yambaki Mabele na ba Congolais to pesi bango nationalité rwandaise. Bongo te. Bien sûr. Maintenant bino pour recevoir ba Rwandais na Mabele
Boboy kopesa bango nationalité. Maintenant, ceux qui bolingi ngai na récupéré batuna ngai, bozongi se langai na batou na mabele. Voilà le vrai problème. Donc baso senga mabele te. Maintenant, ba politicien de baso manipule la démagogie, baso manipule la biso. Démagogie et puis ignorance aussi, parce que il y a aussi l'ignorance. Non, déformer information. Voilà. Donc, ce qui n'a pas comprendre, les gens qui ont été mis à l'abysse, bon, tu es là, ma belle, voilà. Mais tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es nationalité, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là, nationalité. Voilà le vrai problème. Ce qui n'a pas comprendre, c'est que tu es peut-être que tu es là, la compréhension, tu es là, tu es là. Donc, voilà, on est allé donc, on a expliqué, parti à Nord-Kivu. Justement. Donc, pour montrer que pendant la colonisation, il y a une population congolaise d'expression nyarwanda. On est à un côté ça. Maintenant, tout ce qu'on a su, les Banyamouleng, hein? Parce que pourquoi ce pays a l'air de ma casse, donc, Banyamouleng est basé dans le sud Kivu, oui. Ou basé dans le nord Kivu aussi? Non, 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 basé dans le nord Kivu. Donc, il y a un Goma, Rutshuru, Masisi, Bango Banyamulenge. Non, 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 non. Biso, tout signal, c'est comme Benga, Banyamulenge. Voilà. Donc, comme vous avez dit, il y a une morphologie. Voilà. Il y a une morphologie. Tout signal, Banyamulenge. Donc, il y a un Goma, tout signal, Goma, à ça, Banyamulenge. Non, à ça, Banyamulenge. Président, au lobby. Mais vous pouvez expliquer. C'est là la même chose pour expliquer. Président. C'est un peu compliqué. Non, c'est compliqué. C'est la question. Il y a une volonté à comprendre. C'est compliqué. Ou bien volonté à expliquer peut-être. Non, je sais que il y a des gens qui refusent l'évidence. Donc, au lobby, il y a que Oyo et Zali Maï. Il y a Boy, il y a des Maïté. Et Zali Maïté. Et puis tout comme la puissance là, na internet, et voilà. Au boy, et puis tu vas se voir. Ce que je lui ai expliqué, il y a notre c'est doit aller au bica qu'à lire Mbongo et Sili. Allez bon, on va voir. Les gens ils vont tout de suite. On est tout là-bas. Tout est histoire. Nice. Au moment où on va aller Koloba, Wechi, Amemi, Wakumpala, papa dit qu'on lit Mbongo et Sili. Bon, maintenant, Sud Kivu. Sud Kivu. Banyamulenge. Les Banyamulenge. Les Banyamulenge, ce sont des éleveurs tutsi. On est qui na Rwanda, tu vois ba éleveur pour na bangombe na bango hein bazalaka na kati ya tembe Sébastien bande ko na biso ba congolais soki moni tozolo ba boye ba ba solo la boye eza po na kwende ko sala banquete yo pe place ozali wana Luka pe sala banquete na yo osala ba recherche on na ndenge na yo Basile, Azali Nzambete, Azape Moutouka Lokolayo. C'est ça. Il y a salé ma recherche naïe, a trouvé Oyavo. Yopé Landa, Oyazo, à M. Basile, Yopé Keno, salé ma recherche naïe. C'est ça. Pour nos solutions. Voilà. Oyeba, Isaïamoto, Isaïamoto. Voilà. Oyeba, Zaranan, Kofinga, Kofinga, solution. Kofinga, Zaranan, solution. Bon, Moutouka, Moutouka, Kofinga, solution, t'es la vie. Voilà. Donc, Lucan Kofinga est un lâcheté, Yamoutou. Moutou, Aza, Aburti, Yamoutou, Abandi Kofinga, Panini, Azwa, raison à Kofinga. L'histoire, il faut que l'on aille pour Luka Yango, pour Yéba Yango. Mais quand vous êtes là, vous êtes là. Voilà, non, non, avant, on a l'air de compléter. Ce que vous avez recherché, Benga Wakumpala, Tokoya, la caméra, vous avez expliqué le rôle. Ce que vous avez dit, papa Basile a dit, c'est ça, c'est faux. Vous avez la vérité. Benga Biso, Tokoya. Mutumoka zo futa wate. Biso pe mutumoka za wa payete. Metolingi kuyeba information. Kofingate. Tolembi. To uta. Tuna na mafamili. Tuna na bandeko basikina na bazambi. Babota kuna na bazambi na batanzani. Tuna na bandeko banda klasi batanga. Tutanga na bango na kongo. Tuna na bakolu gardien primer. Me babima bakina na bazambi. Bakina na ba Uganda. Bakina babota kuna. Bakina na bavi.
Donc, même si vous avez la porte est en paradis. Mais, voilà. Noko, moi j'ai vu qu'il y a Bujumbura. Tu sais que dans Bujumbura, dans Burundi, il y a au moins 1 million de Congolais. Voilà. Bah, où t'as la Maniema, Kisangani, Kasai, Salama, Bavanda, Wana. Moutrogola, Lumbi Pierre, oui, à Koufakiona dernièrement. Pierre Lumbi. Moi, je connais sa famille à Bujumbura. Voilà. Ah, Moutetela? Moutetela? Moutetela Kindu? Kibongo? Le Congolais est partout. Il est partout dans le Togo. Il est partout dans le Togo. Il est partout dans le Rwanda, Burundi. Ce qui est le Congolais, c'est qu'il y a un niveau. Il y a un Cameroun, il n'y a pas l'autre. Donc, tout ça, c'est une histoire. Histoire. Tout ça, focalisé sur la haine, mon corps, il n'y a pas la haine. Haine, c'est la solution. Haine, c'est le Mabé. Ça, le commentaire, il y a bien proposé et le Oyozana. Ça, l'enquête, Bengabiso, Bengabiso. Tout ça, la nini, pas la toute solution. Mais comme ça, le corps continue. Merci, Président. Naïe, pour la Banyamoulé. Donc les Banyamulé, comme j'ai dit, ce sont des éleveurs d'origine rwandaise. Ça va tout se on a avant colonisation, donc au 18e siècle, tu vois les éleveurs, comme le pâturage, un peu partout, tout ça là. Et cette partie-là, c'est là qu'il y a un problème dans le roi de Rwanda. Donc clan Wana, habitons de la mission, ici on a beaucoup là, où est la mission. Il faut que les partenaires au Virawana, les affrontaliers dans Rwanda. Les partenaires au Virawana, les affrontaliers dans Rwanda. Les affrontaliers, ils disent que les gens qui ont été au Virawana, ils ont été au plateau du Dom. On est allé qui, dans le 18e siècle, donc avant la conférence de Berlin. Les communes ont dit ah, ah ouais, si tu dis bien, bah, bon, la mission. Colomboka, les Bafulero, les Bembe, tout ça là. Bon, donc il y a Bibango, Babibo, Bino, le Roi Boutipoya, bon, que nous voyons dans la Sikawana, et mena Colino. Colino, on a comme un amour, l'aigle. J'ai aucun. Ok, vous voyez, on a, c'est la carte, donc, parce que vous vivez en harmonie. Là, bah, Fulero, bah, Bembe, tout ça. Sans problème. Sans problème. Maintenant, dans Léopold II, a eu Congo. Donc, a tracé Congo, a sédentarisé, bah, moi, évidemment, il est venu, na Monique, Ousa, Outan, à Rwanda, mais, il y a un territoire. Il y a des documents du musée de Tervuren. Moi, j'ai publié ça sur internet, dans les réseaux sociaux, sur Facebook. Documents et musée de Tervuren. Ou documents publiés encore Léopold II, allez encore roi. La Congo. C'est là qu'il y a le Congo. Ou Léopold II. Dans la propriété de Congo. Donc on a recensé des Hutu et des Tutsi, tout ça là. Vous savez, ma faute, ma ligne, ma document n'est pas. Alors, donc, on va dire, voilà, l'État indépendant du Congo. Éleveur Rwanda, Outana Rwanda, comme Rwanda, avant que Moussiri, le chef de Bayek, Moussiri, premier chef de Bayek, c'est un Tanzanien qui était un esclavagiste, c'est-à-dire qu'il a roté qui ça. Comme à combien de puissance avec au sala dans le 19e siècle chefferie naïe à baïe que tout cela a dominé batouana puis à sali chefferie donc les baïe que les alli chefferie et ça même après les banyamoulé les tout tu vois nos bazana donc ce qui n'a comprendre et loco moko au bas congolais baloba kaïza na vérité Banyamulenge, ouais. Baoutaki, na Rwanda. Oui, mais comme dans le 18e siècle,
Moulenge Ango est à la frontière na Rwanda. Non. Bah, hein, dans le lobby, hein, dans le lobby, dans le résumé, bah, Utakiwana, Baye, Bayambi Bango, Lokola Biso, Toyaki, Awa na Belgique, Bayambi Biso, Congolais, Salamité, Bayambi Biso na Matonge, voilà. Et après, ton lobby, Matonge, bon, ton premier, bah, habité à Matonge. Voilà, justement. Bon, donc, maintenant, le pôle 2, après, si Bango, donc, Albina, vous avez un résident, donc, Congolais, vous avez un territoire. Oui. Parce que Mundele, Sokazana Mabeli, Nengwana, Akumukaba, tu vas à la Konabasala, comme ça. Nous, c'est pas un abus africain, Oboma. Moutou Sokayana, Bomae, donc l'unité Moutazana Bokanae. Mais Mundele, Zandengwana, Mundele a dit qu'il faut battre Bazala. Au Tongamboka, battre Bazate. Dégini. Bon, 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 État indépendant du Congo, les Tutsis du Sud Kivu, Oyamulenge, Wana, Basali, Wana, ce sont les Congolais. Répertoriés, moi je suis allé fouiller, j'ai trouvé des documents, il y a l'administrateur du territoire, le commissaire de district, où il parle de ces Tutsis-là, des éleveurs. Wana Congo, il y a Oyamulenge, Biminamte. Je vais vous expliquer d'où vient ce mot-là. Et puis, il y a une année, il y a une année 70. Genesis. Maintenant, donc, avant de Wana, depuis la conférence de Berlin, ils sont là. Donc, si vous comparez les chefferies à Bayeke, les Bayamulenge sont plus anciens que les Bayeke. Vraiment. Bon. Maintenant, en 1910, donc, c'est le réajustement aux frontières. Sauf que dans ma livre d'histoire, ma livre d'administration coloniale, on parle de tout ça. Alors, les Belges, maintenant, d'ailleurs, on voit gestion sous tutorat, il y a Rwanda, na Burundi, après la défaite de l'Allemagne, la guerre, la première guerre mondiale. L'Allemagne perd la première guerre mondiale. Vous et c'était avec la guerre mondiale 14-18. 14-18. 14-18. Soldats congolais à force de là. Ça la guerre, on a. Bah, quand tu es en Rwanda, bah, ben, qui bah, l'Allemagne à Rwanda, à Burundi. Vous avez nos soldats congolais, bah, quand tu es en Rwanda, à Burundi, pour ben, sous le commandement des pays. Alors, ben, on peut ça maintenant, tutorat, la Belgique, à Rwanda, à Burundi. Maintenant, les Belges, l'Allemagne, même politique, il y a l'Allemand. Ils comme alliés stratégiques de tout ça. Vous voyez, quand tu peux dans l'idéologie, il y a la race ou est supérieure, tout ça. Ainsi, surtout les prêtres catholiques, il y a gravac encore la contradiction. Race aux supérieurs, il y a tout. Voilà. Par rapport à Baoutou. Il y a Baoutou. Baoutou, il y a comparé Bango à Baflama, Awa. Voilà, voilà. Baoutou, Bawalo. Donc, comme il faut jouer la psychologie. Moi, c'est priorité, mon gobo, par rapport à Bango. Voilà. Comme il faut ça, là, donc, racialiser par rapport aux élèves qui montrent, par rapport au calme entre les Hutus et les Tutsis. Alors. Même pour la fonction administrative, on favorisait les Tutsis. Pour les écoles, par exemple l'école d'Astrida, c'était l'école où on formait les cadres administratifs à Rwanda, on ne recrutait que les Tutsis. Vous vous demandez. Bon. Maintenant, tant que courant indépendance de Banigoya, l'Afrique, donc, Bateau et Bazana combat à indépendance, avant-garde pour l'indépendance. Ce sont les Tutsis. Parce qu'ils sont formés. C'est l'aristocratie, c'est la bourgeoisie, tout ça là. Donc, lui non. Comme Bazana est contre colonisation, eh bien, nous, on va belle fumo qu'elle est. Nous, on veut rester à notre pays. Le roi Moutar, Azalaki, Lumumbiste. Vous savez, donc il y a l'oumou basé comme ça. Le roi Moutara. L'oumoumbiste. Le roi Moutara, il y a Rwanda. Il y a Rwanda, quoi. Tous, bien sûr.
lumumbiste donc on va bien appeler lumumbiste donc la progressiste africain ouais amuta bouma et même là on soupçonne que c'est pas belge pas va éliminer qui n'est pas bujumbura il congo qu'on appelle la coupe du mystérieux mais il peut le mouba koufa hein voilà bon. Maintenant ma belge mécontent des tutsis puisque moi j'ai 5 indépendances babi il faut tout le cas tout sauvegarder maintenant la mission hein. Tout le cas maintenant où tu vas comme ma balier la mission contre batous voilà voilà ma belge ma belge oh. Non les, mais comment mes conférences de Salakia au dernier mm-hmm. C'est pour ça justement non okay. Hein? Le but de cette conférence, c'est ça. Parce qu'il y a une commission parlementaire belge qui est créée. Oui. On a étudié la situation à Belge dans la colonie. L'erreur, ça là, tout ça là. Alors, donc, c'est une occasion pour nous. Ça va donner un souple. Parce que tu as vu que ça là en Afrique. Maintenant, tout ce qui est là, on va soutenir par les Belges. Parce que vous voyez, c'est Outou à dire. Mais il ne peut pas Outou à dire. Vous êtes majoritaire. Non, non, vous êtes 85%. Vous êtes 14%. Bah toi 1%. Bino 85%. Mais ce que vous venez de connaître, il faut vous dire, j'aime beaucoup. Vous êtes bon. Mathieu Songi Songi. Maman, il y a vis-à-vis. Hein? Et vous avez dit Songi Songi, il y a 6 mandats pour terre. Il y a vie donc bazar pour monter bah même bas soldat il y a armée belge au bazar qui pour côté la macamana bitumana bazar qui plutôt qu'on s'attaquer contre les tutsis donc on y est sans les amis parce que bazar qui contre Mutara oh voilà. Bagina bango parce que c'est le mumbi salma qui na bango babi ma babi ma voilà non bango va tourner bango voilà. Ce qu'on fasse voilà voilà bonjour tout ça la carte à émission intervenir une émission parce que dans la vie kulutu magamalo baki. Et moi, je suis en contact direct avec la Bande Est. Je suis en contact avec la Bande de l'Est. Non, Vanda. Ah oui, c'est un dialogue, hein, vous avez docteur, docteur Alongo, aïe, tout ça, intellectuel, débat, intellectuel, et ça, ma confité. Et ça, ma confité, et ça, intellectuel. Nande, et loco, oyo, et zangi. Yo, osana, et loco, nini, yakoye, bisa. Nai, et loco, alibosona, ou loba boy. Tiana, non, masque. Ah oui. Tiens, ou loba, ma casse. Omoni, mon cannabis au Congo, hein. La remarqué que ce qui est Congo, ils ont Koufa, et ça pour la bisomo va Congolais, ils ont favorisé que Koufa est Congo. Bisomo va Congolais, tu as dit que Kabila, ça Rwandais, tu as favorisé, a comme président, va comme Raïs, Sinarambo. Au détriment de notre pays, au détriment de notre peuple. Mais ça, ma mingi, ma n'est pas Congolais, tant que tu as été Kamoka. Mais tu as été que l'obi banana, tu as été Wapi. Est-ce que vous savez que Congo, on a baronné, on va s'installer, on va côté partout. Est-ce que des collègues Basile Diatezo, na base ailleurs pas ailleurs, on va rouler, on va commencer à commander. D'ailleurs, moi j'ai eu des informations. Garçon, moi qui dégoûte de donner, bah ils l'ont enlevé pour na. Rwanda, ils ont gagné la haine dans la porte à Matadi. Vous voyez un peu. Moi, je suis originaire de Bumba. Et pas l'angai bar Rwanda, bah comment on tombe à Nago. Et aujourd'hui, nous ne savons pas faire la différence. Banyamulenge. Rwanda pur. Parce que Kota, dans la confusion, il y a des Banyamulenge qui n'est pas Banyamulenge. Et même les Banyamulenge aussi. Est-ce que ce sont des Congolais? Quand moi, j'ai fait. Vous savez, moi, je suis allé très, très loin dans mes recherches. Parce que d'abord, je me disais, mais pourquoi pas aux filles Banyamulenge qui sont Congolais? Non? C'est trop facile d'accuser Banyamulenge. Il faut faire des recherches. Nous sommes des scientifiques. Nous sommes des intellectuels, il faut tout affirmer sur base de documents. Heureusement, docteur Nabino, n'a pas tant de documents mon goboué. Oui, comment maka, kala, ils ont donné de botamité. Heureusement, dans outil bureau, heureusement, dans un document en art.
Et pour moi, ce qui s'est passé au Rwanda, déjà en 1890, ce n'est pas moi qui ai écrit ça. Ce sont des autorités qui ont écrit ça. Des officiels qui ont écrit ça. Et cela est subir critique l'angai avant d'affirmer en bout. Donc, na 59, ça va être évité. Moi, j'ai bien relu. Peut-être que j'ai une erreur, Misusu. Je l'accepte. Je suis juriste, je suis historien. J'ai remarqué qu'en 59, il y a eu un déversement, un déferlement massif dans le Congo. C'est à cette occasion-là même que Kagame va tenir en Ouganda. Et en 59, qu'est-ce qui s'est passé? Les Hutus majoritaires, le peuple majoritaire, la tribu majoritaire de Rwanda, va tomber pour mon acteur. Bah tout ce qui est colonisé, si ce qu'ils ont fait au Rwanda, depuis l'arrivée de Musinga, pour la dynastie à Yui, Musinga a besoin de pouvoir, ça qui a un coup d'état. Effectivement, après, l'air de revoir, d'ailleurs, on découvre qu'il y a un demi-frère, il y a Mwami Mibambo. C'était son demi-frère. Mais c'était un Tutsi à renverser le coup d'état. Parce que règne à Mibambo, il y a un de 1895 à 1896, tant on va renverser. Et Musinga est resté au pouvoir jusqu'en 1931, tant à s'embrouiller dans ma Belge, dans mon seigneur classe et autres, tout ça. À bon, il va baptiser. C'est comme ça qu'il y a un problème dans l'autorité belge. Mais avec aucun est au Congo. À coup fait la Calémie, à Zonga, en 1944, il est mort à Calémie. C'est moi, là, dans Moutou, à remplacer qui est. Et je vous apprends que Musinga, qu'est-ce qu'il faisait? Il venait chez nous. Koboma Batu. Copier Biloko Nabiso. Attendez, je vais vous montrer. Je ne suis pas en train de dire des choses en l'air comme ça. Cette lettre a été écrite par le gouverneur, le commissaire de district. Le commissaire de district, il y a Belge, l'autorité coloniale, a commandé à sa Sagana. Vice-gouverneur général. Dans autant il y a un contenu. Avant de s'appesantir sur ce qui s'est passé en 1959, Hutu a décidé que, s'en prendre dans Tutsi, il y a eu 10 000 Tutsi qui ont été tués. Et plus de la moitié des Tutsi se réfugient dans l'Ouganda, dans la Tanzanie, dans le Congo. Déferlement, il y a 4 wagons dans le Congo. Il y a eu 4 catégories dans le Congo. Et je vous apprends même que en 1892, le 27 décembre, il y a un décret royal où est institué la nationalité congolaise. Et là, quand il y a Mwana, nous avions 4 piliers pour la nationalité congolaise. 1. Il faut naître des parents congolais autochtones sur le territoire de l'État indépendant du Congo. Notez que en 1892, décret on est créé qui nationalité congolaise et Botamaki, c'était 7 ans seulement. Donc ça, il est indépendant du Congo. Congo belge est au commande en 1908. Tant le roi a cédé en repas à Belge. L'Ibosé, c'est propriété net privée. Non. Les historiens vous diront un peu plus. Tant que nationalité de Botamaki en 1892, je vais vous dire comment loi on est strict. Ils affirment que Bango Bayaka n'a pas 17e siècle, 16e siècle, 19e siècle. Admettons 19e siècle. Le 19e siècle est en 1801. Ok? Et sous Kakana, 1900. 18e siècle, il y a un son bateau va éviter. Alors, tant que y est dans le 18e siècle, on a quelques années après. Donc, déjà, nationalité congolaise et Botamaki. Alors, tant que Yaki, loi en est existé sur la nationalité congolaise, il y avait 4 piliers. 1. Il faut naître de père congolais et de mère congolaise, de parents autochtones, sur le territoire de l'État indépendant du Congo. Pas en dehors du territoire de l'État indépendant du Congo. Exemple, yo papa congolais, yo maman congolaise, boke obotamo na bino na Gabon, soyi bozongi la mwana na bino, azo tombé la 4e pilier. La nationalité par option. Donc, il y a une nationalité, on a un parent, au Botswana, au Congo,
le youth sol jouait. Deuxième catégorie, et c'est la naturalisation. Les étrangers s'est naturalisé. Le Rwanda, le pays de feu, s'est naturalisé. Et enfin, troisième catégorie, c'est l'enfant trouvé. C'est-à-dire, moi, je suis mouké, en combinant le majeur, parce qu'on va trouver dans le Congo, à une nationalité congolaise. Mais, attention, ceux qui m'ont dit que 18 ans, avant que c'est âge de 18 ans, ceux qui m'ont parlé à mon ami, cette nationalité congolaise cesse. Déjà en 1892, c'est comme ça que la nationalité était régie au Congo. C'était pas la jungle. Alors, dans mon Tolongoana, ce que tu as bien, c'est là que ça, heureusement, dans un amour, heureusement, dans un amour. Tu as là très bien. Quand il y a Congo et Rwanda, au moment de comment les frontières ont bougé, le Rwanda est. Moi, quand je suis allé dans l'Est, c'est là qu'il y a quand il y a Rwanda. Comment la partie Mouindouana, c'était dans le Rwanda. Mais c'est après des arrangements qui ont suivi, des arrangements subséquents qui ont suivi, que. En 1910, le Rwanda est comme en forme actuelle pour tout le monde. Comment une forme actuelle? Forme actuelle, Yangon. Soit, dans le livre, tu vas tant que Rwanda a récupéré le territoire par la nation. Mais non, c'est nous qui devons au contraire réclamer le territoire. Parce qu'on a sorti à Berlin, dans la carte en 1888, disons que Zalakia, au moins, c'est le Congo et Zalakia. Moi, j'ai le Congo, c'est oui. Et puis, dans la carte, on a mis au fond, le Congo dans l'issue. La carte, je vais mettre à l'ombre. Mais M. Basile nous a expliqué ici que non. Le Rwanda ne réclame pas le territoire dans le cannabis au Congo. Ils ont réclamé le Congo. Ils ont réclamé ma délété. Ils ont réclamé le peuple. Non, pas reconnaître le peuple. Attendez. Oyo, carte moussou, il y a Congo. En 1909, autant là, Congo est à la Tikuna, dans l'enclave de Lado. C'est quoi qui est né dans le Soudan, place Ouana. C'est l'enclave de Lado. Donc, nous ne sommes pas là pour Kofing. Notre pays, c'est un pays d'accueil. Nous avons besoin de nationalité. C'est là que nous avons besoin de nationalité. Nous avons besoin de voix normale à Kofing. Mais pas en tuant nos frères et sœurs de Baosa à l'Elo. Non. Kundabatoire a été dans le Congo. Il était général sur nous. Mais ça, c'est la politique. Attendez. Le droit n'est pas la politique. Non, voilà, toujours confondre ma période. Toujours la période 1884, 1885. Tokende, période par période. Dans ce cas-là, on a encore tapé la période à 1800. Oui, Tokende, période par période. Je vais vous lire calmement. Lettre Oyo, commissaire de district à Komelaka. Nous voulons savoir les sources. Mais yo kala tangi lote, vice-gouverneur général. Allô Biboué. Ah. Dis seigneur ce valinette, hein. Voilà. Yo kala tat comme la vie. Pendant que ça vient ningi ba tout tu vois la bande yo kola, bande kona biso. J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre rappelée en marge. Nos populations voisines du Rwanda, c'est-à-dire ma population voisine du Rwanda. Bangwana Batuti sont voisins du Rwanda, donc nos populations voisines du Rwanda, c'est-à-dire non. Bah Rwandais, bah Zali, biso ma voisine, ma population voisine, il y a Rwanda, bah autochtone donc. Et ont dû subir jadis une invasion des Watutsi qui furent la conquête de la région du Nord Kivu, qui bâtit et retour. Et s'installèrent chez les Bahoutou. Ces malheureuses populations se virent alors traitées en esclaves par les Batutsi, furent pressurées sans limite. Le pays ne connut que razzia et meurtre. Comme l'exemple de la cruauté de Musinga. Musinga Zaga roi. Oui, à bord de la pouvoir, na coup d'état à Rutunchuana, en 1896. Na Rwanda. Yo se vis-à-vis de la dégradation. Comme l'exemple de la cruauté de Musinga, je citerai le cas du chef Mugalula, qui s'était rendu à Nyanza, résidence du sultan, avec une caravane de ses gens porteurs de l'impôt à fournir.
Mugalula et tous ces gens furent précipités dans la rivière Nyamarongo sous le prétexte que son tribut était insuffisant. Par leur procédé tyrannique à l'excès, ces Watusi ont laissé ici une haine vivace, laquelle n'est pas moindre parmi la population du lac Kivu, où l'invasion fut repoussée par les Banyabongo. J'ajouterai encore que la plupart des Watusi installés chez nous se sont retirés dans le Rwanda à la grande joie de nos populations. Ma population autochtone à la grande joie. Pourquoi on s'est là? Parce que mon essai, il va m'en passer. Attendez. Au moment de la délimitation de notre frontière orientale, dès lors, notre politique a toujours combattu l'influence tout Watusi en pourchassant certains émissaires du sultan qui, malgré notre défense, tentaient encore de terroriser les populations soumises à notre administration et lever l'impôt chez elles, donc chez nos populations. Ces considérations ajoutées à celles très justes dont vous avez bien voulu me faire part de votre numéro précité, me forcent à repousser énergétiquement l'idée de vouloir offrir à Musinga une compensation territoriale dans le district du Kivu. Ce serait aller à l'encontre des désirs et des intérêts de nos indigènes. Donc, le commissaire de district, ça c'est la lettre du commissaire de district Aï du Kivu au Congo belge, lettre écrite à Rutshuru, au vice-gouverneur général basé à Stanleyville, actuel Kisangani, dans la province orientale de la République démocratique du Congo, ex au Zaïre. Cette lettre porte le numéro 812-14. On repose au courrier reçu numéro 1195 du 12 mars 1920, dont l'objet fut mandat dans l'Est africain allemand. Olobaki eloko moko awa batusi bayaki bazoboma bahutu. Oui. Bahutu. Non, batusi. Batusi bazoboma bakongolais na bahutu. Mena bahutu wana. Ouais. Bahutu wana. Oui. Baza banyarwanda ou bakongolais. Mais je vais vous dire une chose. Batusi babaneko bomanda nu. D'ailleurs en 1959 révolution et salamakawana. Et Zalara Bahutu, Moubassala, pour sortir de la décolonisation, pour nous essayer de coloniser les Batutsi. C'est-à-dire que Batutsi va opprimer Bango, va bombarder Bango, et il va de soi que Bango va congolais. La preuve, c'est qu'en 1895, le Mwami Mibamboué, a banné au Salaba, Razia na Kivu, et il a été tué. Fin à Rennes, Zalaki va bombarder la Batutsi Kivu. C'est-à-dire, d'ailleurs, Mibambo, c'est qui peut où toi? Et ça, la Bahutu, et ça, Batutsi, mais non, il y a la population qui a Kivu. Alors, Batutsi, ils ont fait du mal à leurs propres frères déjà. Ce qui est leur révolution en 1959, c'est parce que, il y a la Bahutu. Non, au Kouta Kibiso, tu as la période de la révolution en 1959. Ouais. Oui, on a quitté. Yango, tu l'as dit, répété. Au Kouta Ki, la révolution en 1959. Oui. D'après Basile, les oui. Belges ont révolté Bahutu contre Batusi. Est-ce que les Kambouana ont été en train de rechercher? Dans ma recherche, l'attitude de Batusi est dominatrice souvent. Elle est toujours dominatrice. D'ailleurs, Musinga, au temps où il y a des lettres, il y a la population de Kivu. Et aussi, il faut que tu puisses retenir que, en 1895, Mibamboué Azalaki Mwami, le Mwami c'est le roi traditionnel. Mwami Zamoko, au plus il y a un mot Bami, c'est comme les Banyamulenge, Mounyamulenge, Banyamulenge. Et le Mwami Mibamboué, il a été tué par les gens du Kivu. Est-ce que Oyebike, Eza Balma, de Basalaki division entre Tutsi, na Hutu, et après, Babel, je l'ai rebaillé. Va continuer la politique ouana yakoloba bahutu baza supérieur bahutu. Mais ce que je remarque, oui, c'est que instant ouana y a méchanceté yakoboma batu batuti baza nango depuis tala avec Musinga baza nango. En bref, bah rwandais, hein,
Concept Yaoutou. Quand on a commencé, j'ai commencé par expliquer le concept. J'ai commencé par expliquer le concept de Hutu et Tutsi dans la culture traditionnelle rwandaise. Voilà. Voilà. Nalina lobaboué. D'après ma recherche na ngai. Ba biloko na o ba kayaki ona ba colonisateur ya Hutu Tutsi ezalaki na ba évolution. On se sent si que certains Hutu ba manero koma ba Tutsi par rapport ya nombre ya ba ya ba ya ba ya ba, ya ba ngombe. Soki par exemple. Alobaki yango. Oui, naebi yango. Naebi concept wana bien. Mais concept wana ça n'a rien à voir avec violence, discrimination ya ba ya ba Tutsi na Congo. Non, Alors, tu veux comprendre. Pardon. Ouais, ouais. Président, expliquez nano but ya biloko tozo sala. Zela nano but parce que olobi eloko eloko moko. Olobi eloko moko ya bien. Tolo mola nano passion. Débat est comme qui toque, intellectuel. Oui.
Madeba, nous avons intellectuel, mais c'est basique, nous intellectuel, peuple Nabiso. Tout à fait. Nous avons tout le monde qui a voté dans la balle au monde de Tio Zalaka, au monde de Kima Nabino qui a battu la balle. Oui. Comment ça, la Makamoko, logique. Voilà. Peuple, non, on a ça la logique depuis qu'on a fini la batoute. Voilà. Mais on a quand même une dimension là. On a pas de temps. 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 On a débat politique. On a un peu de temps. On a un peuple congolais. Il faut que la recherche. On a un peu de temps. Moi, je suis allé à la maison, je suis allé à la maison. Il y a un monde de débat qui est là. Est-ce que tout Congolais, tout Congolais, il y a un Zalarato, il y a un thématique qui est là. Il y a Maître Basile, il y a un Maître Basile, nous a Maître Basile plutôt, nous a expliqué. Nous avons expliqué ça parce qu'il y a une recherche à Tambola. Il y a un qui est à Goma, qui est à Nyon, surtout à côté, pour avoir une recherche pour avoir une. Souci en bon canaille, mais à ça mon Congo, il y a pas Congo. Vous en mode? Donc, il y a un à expliquer tout Oyo, Oligny Koloba. Ah, monsieur Basile déjà nous a expliqué ça. Heureusement, ce qu'on a dit, il y a la cosité alors vous confirmez. Voilà, il y a un moment où on explique à mon Kyo, Kotika, Oyo, peut-être Tika Kyoka Kokota, parce que vous avez la passion, il y a un autre Tika Kokota. Mais Maître Basile a expliqué ça. Il y a un à tout Nio, Maître Basile, pour continuer dans le débat. Voilà, pour le peuple Azor en d'ailleurs. Je veux dire, peut-être que le peuple n'a pas parce que le peuple est un peu bungi. Le leader politique, et là, on te sépèle Awa, et là, papa Basile a esbi sakibiso, tous si, baso identifié en fonction de Bangombe, voilà. Mettre à Longo a confirmé. Alors, ça fait comme ça, c'est comme ça on doit apprendre. Non, c'est comme ça on doit apprendre. Yo, le lobby boyé, ton money, ton bandit, ça l'a recrutement. On a quitté. Nalingi batba longola na mutu na bango qui a des touti congolais. Oui, il y a des nilotiques congolais batou ya alour par exemple, les alour. Basa kotia kisanga nikula, basa ba nilotique. Mais basa ba touti te. Basa pe ba nilotique. Po ba bio délit de facien na la naki monsieur Basile alobaki o ba zo condamné ba po na délit de facien. Non. Ba alour wana basa pe nilotique le kwaka ba touti. Mais est-ce que toujours un problème dans Bango? Bazombo. Puis tu colline vient na bibi mo jango, azara tailleur et puis là toi bana miké. Na kin. Na na sala le problème. Ba toi sala ba un problème té. Mais pourquoi bazo sala ka ba touti ba problème? Parce que ba touti c'est là, parce que ba touti baza ko exporter violence là Bango. Moi je suppose en tout cas si que violence wana ezaki transmis par ba allemand ba colonisateur na bango ba toza na base ya génocide ya ba juif awa. Non, moi j'ai le droit de réfléchir. Réflexion que je fais ici, oui, mais je suis libre de faire cette justement, réflexion na lingi que ce qu'on pense à point de vue contraire démontrer moi partie à interrogation na ngai. Est-ce que j'ai le droit de faire de me faire cette interrogation, oui ou non? Oui, alors interrogation na ngezabu ba allemand basé la base il y a génocide il y a bas juifs. Est-ce que comme Bobo Sanatega, bas colonisateur il y a Rwanda ou Burundi c'était des Allemands. Ok on a bien. Et ça là qui bas Allemands. Ce n'est que la défaite il y a fin il y a défaite il y a bas Allemands la première guerre mondiale que bas redistribué qui bas terre na bango bas pays bas Belge Rwanda ou Burundi. Mais le Rwanda et le Burundi n'ont pas été une colonie belge au départ. Ils ont confié à la Société des Nations. Alors, oui, le génocide allemand, enfin le génocide juif, oui, par les Allemands, oui, n'est pas le premier génocide dans le monde. Hein.
en Europe ici. Non, non, nous ne faisons pas une hiérarchie ou bien une historique de génocide. Non, non, tout ça, là, nous voyons. Ce qui va passer, ce qui va passer, c'est la dictature en parole. Histoire, tika et comme il tourne. C'est-à-dire qu'il ne faut pas. C'est-à-dire qu'il faut tous aller à l'objectif. Oui. Il ne faut pas que tout ça là que bon et béba et béba. Non. Non. Il faut tout ça là objectif. Voilà. L'objectivité, la biseau, tout le monde, tout le monde, la paix. Solution, on peut trouver solution. On peut trouver solution. L'unité en Boka et Zala, ainsi de suite. Tout ça là, il n'y a pas. Bon. Mais pour arriver à la paix, pour arriver à l'unité, ainsi de suite, il faut comprendre le problème tout ça là. Bien sûr. Parce que ce qui te comprend, c'est que tu potana, tu continues que potana. Si solution vraiment dans la tête. Cela. Si tu comprends. N'avons répondu sur quoi place one. Il y a un auteur, n'abosani pomonaie. Auteur, il y a droit international. Alors bah oui. Il y a plusieurs solutions pour obtenir paix dans le monde. Négociation, dialogue, bah bons offices, mais alors bah paix. La dissuasion. C'est l'une des méthodes pour obtenir la paix. Dissuasion, les amis. États-Unis, ils ont une bombe atomique. Russie, ils ont une bombe atomique. Mais il n'y aura jamais de guerre entre Zéla Moukèze. Non, pas dangereuse. Si. Mais il y a un auteur. Je te pose une question. Attendez, est-ce que je peux au moins terminer cette pensée? Il y a un auteur, il y a droit international. Voir que dans le droit international, nous avons plusieurs méthodes pour arriver à la paix. Mais parmi ma méthode, septième méthode, c'est la dissuasion. Dissuasion, les amis. Corée du Nord, il y a une bombe à ma case. États-Unis, il y a une bombe à ma case. Jamais, quand on s'affronte, il y aura toujours une paix. Paix dans le sens militaire, il y aura toujours. Pour la nini, on va se tirer, on va se tirer. Je te prends, c'est bon. Alors, si vous voulez, non, la ligne là, en ce qui concerne si vous voulez, il y a tout le monde, il y a le Congo. Ce n'est pas simplement nous qui devons confectionner la paix. Tout le monde doit respecter la paix. Ce qui va loi de la République, ils ont existé. Je vais vous dire une chose. Il y a une convention, la convention de la haie, du 12 avril 1930, article 1er, ils ont dit, avec le président, ils ont dit que l'autorité à Mboka, ils ont décidé sur la nationalité de Mboka, souverainement. Ça fait partie de la souveraineté. Mobutu, quand il avait pris son ordonnance du 26 mars 1971, il y a article unique en accordant la nationalité massive aux personnes, je précise bien, pas les Banyamulenge, hein, pas les Banyarwanda, aux personnes originaires du Rwanda ou Burundi. C'était une nationalité en bloc. Le 5 janvier 1972, le même Mobutu a eu ordonnance Moussous. À restreindre sphère et acquisition mais, à nationalité. Allons. Oui, oui. Vous savez. Oui. Camus, Albert Camus a dit ceci. Oui. Quand les mots oui. ne sont pas bien définis, oui. ça cause toujours des malheurs. Non. Mon frère. Hein? On sent le Bawana. Tu as assez parlé. Hein? C'est là, non. Assez non. Parlé, quand même. Ça va. Alors, donc, tout à l'heure, il y a une période de colonie. Les Belges, ça c'est connu. Tout à l'heure, même visible. Les documents sont là. Les documents à presse, la publication scientifique, tout ça là. La Belgique avait pris position en faveur de Hutu publiquement, même les soutenir parfois au niveau sécurité. Vraiment. Bon, ça c'était en quelle année? Avant leur indépendance. Mais je vous apprends que les mêmes Belges, ça moi je dois contredire, les mêmes Belges. Soutena qui moussinga à ce que ça n'a pas de parce qu'à l'objet qu'ils avaient soutenu publiquement, mais moi je contredis en disant que en 1896-1931, même moi, il termine d'abord. C'est ce que lui il a dit. Il avait dit, c'est pourquoi Non, Oye n'a retard à l'obaki, bah belge, bah bande soutenir, bah.
Batusi. Il termine d'abord, après tu prends la parole. Babanda qui n'a non Batusi. Télé, Bakoutaki, Bakoutaki, Bahutu. Non, on le débat, mon sou. Babanda, tu n'as pas Hutu. Et puis moi, Miwana, moi, Tusi, Azalaki Lumumbiste. Je vais vous dire une chose. Le Mwami que les Belges avaient rencontré n'était pas Tutsi, c'était un Hutu. Le Mimbambo, là, c'est Musinga qui était demi-frère, et Mimbambo qui était Tutsi de par sa mère. On ne peut pas être tout de sa mère. Non, on est tout de par sa mère. On a le sang tout de sa mère. On est tout ou moutou de son père. Jamais de sa mère. Comment? On est hutu ou tout de son père, pas de sa mère. C'est-à-dire que Musinga était tout. Ok? Non, tu reconnais d'abord ça. Il est quoi? On est tout ou tout, pas le père. Ou pas par les mains. Mais ce qui est où tu as parlé d'outil, de Bolvanini. D'abord, on doit reconnaître Yango. Tiens, on reconnaît ton Nengendini. Parce que nous avons la balle d'outil, la botte de Naï. Moi, on a un sans tout cité. Azan a ça tout cité. Azan a tout cité. Azan congolais. Oh, ils ont bien Bonny. Caractérisé. Il y a des gens qui sont penchés. Ils ont bien caractérisé que non. C'est comme chez nous, les Bakongo. Non. Chez nous, les Bakongo. Bon, nous n'allons pas rentrer dans ce débat-là. Yoka quoi? La filiation clanique, c'est Matriaca. La maman qui donne. Hein. Chez les Rwandais, c'est le papa qui donne. C'est le père. Chez les Batabwa, c'est la maman. Okay. Donc, ce qui est le maire n'a pas dit Hutu. Père n'a pas dit Hutu, yo n'a pas dit Hutu. Ce qui maire n'a pas dit Hutu, père n'a pas dit Tutsi, yo n'a pas dit Tutsi. Comprendre, hein? Ça va, on a compris ce que je veux dire. Mais pour l'anglais, je m'inscris en faux dans un mot. On se sent si que. Moi, je suis un maman et tout. Mais je pense que je suis abandonné côté mon papa de Hutu. Moi, je te parle de la tradition. Non, moi, je dis ceci. Nous avons aujourd'hui la réalité. La tradition, c'est autre chose. La tradition voulait que Musinga puisse prendre le pouvoir par hérédité. Bon. Azoka pouvoir par hérédité. Écoute, Yoka. Ouais, on est en conflit avec la tradition. Ceux qui te comprennent le problème, tu peux résoudre le problème. Bon, on a un exemple. Est-ce que. La ligne est claire. Prendre la vie, c'est que nous vivons aujourd'hui au Congo dans l'occupation toute. Occupation rwandaise. Parce que nous, on n'était pas là. On est déjà théorie. Thématique n'a pas ce sont des théories qui Ngwanda. Mais il n'y a pas Ngwanda, nous vivons. Moi, je. Bon, ça va. Bon, est-ce que dans la ligne, vous posez une question? Est-ce que, au lieu de Goma, Rutshuru, Masisi, et Zalaki a bisoté, et Zalaki à Rwanda, Balmande Bapesa qui biso. Qu'est-ce qu'on a lu ici? Non, la ligne. D'ailleurs, Goma, là, ils sont par origine, comme on a Goma. Ce n'est pas Goma. Moi, je fais beaucoup de recherches là-dessus. Ngai na tout niyo nano. Pourquoi Goma est là qui Ngoma? Ngoma est Mbunda la Swahili. Non, c'est là nano, papa. Toi, quel est nano malembe? Toi, l'endroit nano malembe. Parce que Banyarwanda. Parce que Banyarwanda. Mais quel est le problème? Oui. Balanda yo. Parce que Banyarwanda. Questionnaire. On répond. On répondrait. Tu avances. La ligne question est bien clarifiée. Ils ont bien clarifié. Banyarwanda, bazolo baboye. Poser des questions. Banyarwanda, non, voilà. Et ça clair et net. Ouais. Banyarwanda, balobi boye. Ouais. L'air, basala qui partage. Naba accord y a Londres. Oui. Accord de Londres. Oui. Y a 1910. Ouais. Rwanda, et Goma, Rutshuru, Masisi, Zalaki, na côté y a Rwanda. Na la qui s'est mis en carte. Oh, y a qui n'a nos questions t. Non, parce que aujourd'hui, déjà, ma prémisse, mon fausse. Ma prémisse est déjà fausse. Mais écoute, d'abord, Asili, ce questionnaire, bon, on va nous répondre. Loba. Non, on doit avancer. Loba pour dire, ben, bon, moi, je pense que les prémisses sont déjà fausses, la conclusion sera aussi fausse. Non, monsieur, attends, il finit son questionnaire, alors. Nan des problèmes na biso, Tozanango, na Congo. Parce que directement, l'air au lobby, boye, ba combattant, yon, so balandi, yo, oye, ba yébite. Et puis, ma kambo, eza kuna.
parce que mutoyer na elema wana yazali wana. Il faut maintenant biso toyer bisa ki papa Basile. Makambo oyo. Makambo oyo to mona ki yango na histoire nde abane ko expliquer. Maintenant yo na ye bosse l'affrontement papa Basile. Likambo na lobby eza bongo te. Osa na parole. Bon, moi je crois que il faut tout dépassionner des bawana. Hein? Parce que tout à leur objectif, c'est-à-dire que tout à là, à long terme, beau cannabis, il faut tout le cas unité, tout le cas paix. Parce que tant qu'il n'y a pas la paix, tout repousse n'a jamais. Les gens oublient facilement que le régime à Mobutu et Kweyi, suite il y a ma contradiction au Ebimaki. On a problématique, il y a ba Banyarwanda na Congo. Les loyaux, les gens aiment parler. Ah, il y a des millions de morts, ba touti ba bomi biso, tout ça là. Bref, la propagande ba ça là. Mais tout le cas, cause, il y a ba violence nyonso. Pour que tu trouves ba solution humainement et politiquement acceptable. Parce que la communauté internationale qui connaît les dessous de cartes ne cesse de nous répéter. La communauté internationale ne cesse de nous répéter. Respectez vos minorités. Respectez la communauté Banyarwanda, tout ça là. Menez des politiques d'intégration responsables. Ce n'est pas parce que Bomi Tutsi Bengani Tutsi, qu'aujourd'hui solution. Non, c'est pas comme ça. Un pays, ce sont les hommes, les humains. C'est d'abord ça. Ceux qui hier, Tutsi, Bazalé, qui ont dominé, la Rwanda, la Burundi, ou je ne sais pas moi où, mais les loyaux, pour diriger notre pays, le Congo, on va réfléchir sur quelle forme d'institution, où est-ce que ça la queue. Une minorité a une dominité. À moins que tout ça la naïf, tout ça la comme on dit, simple d'esprit. Mais bisomoko tokomi pesa ba institution wana. Est-ce que na ba institution tokomi pesa tokolinga c'est que minorité a dominé biso? Non. Donc eloko ali boso to luka pe. Pe wana tokoluka nini? Bon, yo mukongo yakao. Yo muluba vanda wana, mungala vanda wana, mushweli vanda wana, pigme vanda wana, munyarwanda vanda wana. Parce que, toujours le baga kawa pona wa banyarwanda, tout dit tout ça là. Mais na nord du Katanga là-bas. Ça brille là-bas. Moto kuneza laka en permanence. Ça brille tout le temps. Entre les pygmées et les balubakati. Ba bo manaka kuna, malgré que... On n'en parle pas. Là, on n'en parle pas, évidemment. Mais on a donc et pourtant babota bana ensemble tout ça là mais des aventuriers on a pygmé et demi ces problèmes donc tout le cas tout positiver réflexion à mis sur le problème on a pour tout le cas la solution faut tout avancer mais c'est les gens il y a des gens par exemple dans Koutana qui n'a un gars na à Bujumbura, bon, je voulais avoir un abonnement internet. Le gars, c'est un Rwandais, mais un Kinois. Donc, à Boutamana Kina, Salma Kamio Sunaki. Tant que tout le monde a dit ça, il y a quelqu'un qui se réfugie dans Burundi. Le temps que je remplis le formulaire, comme on a dit, oh, mais. Monsieur Diatezoua, mais na mona kayo intervena kaming na ba forum na internet tout ça là. Mais nga na kanse vous ala ka rwandais. Non, je suis congolais, je suis congolais. Bon, il était surpris. Hein? Ah oui, mais ndenge o expliquer pourquoi est-ce que les gens ba mona ka lokola yoza rwandais ou bala sur rwandais, ça taxe ça ka bala moko. Allons, legna. Moi, et là, je peux un peu curiosité à ma casse.
crois que ce problème, tout le monde a débattu en haut depuis quand j'ai dirigé l'UDPS ici, avec la loi sur la nationalité en 1981. Nous avons mis en garde les dirigeants aïrois à cette époque. Que loi on a 1981, et que vous ne serez pas parce que, oui, loi 1980, tant que conseil pour la nationalité douteuse est groupée. Dans l'application de cette loi, on avait mis tout le monde dans le même panier. Alors qu'il fallait distinguer les autochtones, les transplantés et les réfugiés. Vous savez, il fallait les distinguer. Mais, dans l'application à loi, on a bâti et c'est une contradiction, si bien qu'à la conférence nationale, donc, et comme qui délit de faciès, il y a vis-à-vis, celui qui va dire que le nominateur Moulaï, un évêque a été chassé de la conférence nationale, secrétaire général du conseil épiscopal, même au sein, on n'a pas eu le courage de le défendre. Et pourtant, il est devenu chaud. Vous savez, Roi Kabouba, connu comme un des pères de l'indépendance, il a été chassé comme un chien. La conférence nationale. C'est pas parce que vous avez étudié tout ça. Vous savez, bon. Oh, petit Wana, Bagré, ça la rébellion à Kagame, na Ouganda. Mais c'est vrai. C'est vrai. Bana Wana, pourquoi est-ce que va rejoindre la rébellion à FPL? Parce que Mbeba Nazaire est Bandaki. L'actuel ministre de l'Intérieur na Sud Kivu, Loi Banji, c'était gouverneur AINA à Sud Kivu. Discrimination déjà, c'est Bandaki déjà. Mobutu même a suspendu qui est. Pour la déclaration incendiaire contre les Tutsis du Sud Kivu. Vous savez quoi? Oui. Bon, papa Basile, tout le cananine, hein. Bon, il y a à répondre. La place autologique, la minorité. Je reviens dans le Cambo, il y a une question qui est Routourou. Et ça, l'herbe a délité. C'est la minute, pas. Bon, on va la minute pour l'anga. Non, non, l'oba. Il y a l'oba, il y a Routourou. Et ça, l'anga, il y a le royaume, il y a le Rwanda. Ok. Rutshuru Goma. Aboite, nanito kereka na karto yu. Talara nu karto yu, madame. Kongwe, zela muke kulutu, zela. Yolo ba inga na intervena ite. Karto yu buwe, Kongo ezati na kati ya Rwanda. Mwani Rwanda ne katani? Hein? Bon, comment est-ce que, kwa eza, ya 1885. Comment est-ce que na 85, 88 eza buwe, mais en 85, bon, mais, le retour est en 84. Bon, maintenant, question Nangaï. En 85, Balma, Babandaï, vous colonisez Rwanda. Rwanda, Yawapi. Colombie en 85. En 1885. Ça, j'ai tiré ça dans la terre. Non, non, Nangaï, Nangaï, la ligne retourne à Yo. Maintenant, parti Nini, Balma, Babandaï, vous colonisez. Mais parti de Bangoy, non dirigé. Exactement, Nini, Nini. On a bien été, mais au moins la délimitation à Congo en 1885. Et qu'est-ce que tu mais tout ça, le Rwanda est déjà parti, mon nez, dans le Congo. Écoute. C'est là, c'est, non, non, non. C'est là, non, 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 non. Nous ne devons pas. Nous ne devons pas. Non, 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 non. T'as là. Moi, j'ai tiré ça de terre vue, Rennes. T'as là, mon Rwanda. Non. Bon, ça va, ok. Mais il y a un autre. Mais ça n'a référence bibliographique. Aujourd'hui, on a livré. C'est la référence bibliothèque du Seigneur, c'est tout ça dans rendez-vous. Tout ça dans rendez-vous, tout ça dans Belgique, hein. Tout ça dans rendez-vous dans la bibliothèque token. C'est la référence bibliothèque. Bon. Kende, éditeur R de Rook, 332 rue Matkelbach, la Bruxelles. Auteur la terre vue reine. Est-ce qu'on peut. On est graveux à Adi. Est-ce qu'on peut se donner rendez-vous dans la terre vue reine pour qu'il y ait des gens qui ont été occupés. Non, non, les lotés, les lotés. Rendez-vous par le but d'occupation. Rendez-vous pour qu'il y ait la terre vue reine. Attendez, je vais donner. Attends, non, 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 je continue. Non, non. Je vais répondre à Makaboulobaki. Oui. Bien, on a dit que la minorité. Tout si ma minorité va considérer ainsi de suite.
Mais mon frère, tout ça quand même sérieux. En 1892 déjà, la nationalité congolaise était régie, non? Comment est-ce que le 18 septembre 1965, Mais écoute, oui? À ton niveau intellectuel, oui? Donc tu n'arrives pas à concevoir, oui? À accepter qu'un tout soit congolais. Non, sauf qui va tout. Franchement. Mais les allures sont allures. Le problème n'est pas là. Question d'Abisso. Est-ce qu'il y a des Tutsis congolais? Il n'y a pas de Tutsis congolais. Il n'y a pas de Tutsis congolais. Il n'y a pas de Tutsis congolais. Voilà le vrai problème. Alors, si on dit que les Banyamulenge. Parce que ceux qui se disent aujourd'hui Tutsis congolais, ce sont les Banyamulenge. Mais pourquoi ils avaient pris les armes en 1996 contre. Est-ce que. Question, Moussoussou. Il n'y a pas de tout congolais. Bah tout, oh, ça Banyamulenge, oh, bah ça Minembo. Non, excusez-moi. Moi, je dis ça par rapport à la loi. Pourquoi est-ce que tu continues de discuter? Non, puisque tu refuses les évidences. Mais ce ne sont pas des évidences. Mais si, tu refuses les évidences. Bon, moi, je te dis une chose. En 1892, il y a déjà une loi qui régit la nationalité congolaise. Mais en 1935, Olga Bonne, na Joseph Mas Basali, liste et ethnie, Banyamulenge Bazana Kati. Allons. Non, non, au confronté Banyamulenge. Allons. Banyamulenge, Bazana, sud de Kivu. Oui. Bah, oh, y a nord Kivu, Bazana Banyamulenge était. Quelle différence il a-t-il entre Tutsi et Goma, na Tutsi et Minembo? Ok. Les lobes, le problème, ils ont fait couler encre, beaucoup de sang, dans le monde de la Zawapi. Et ça, la Minembo, ou bien ça. Effectivement, dans le retour, dans le massif, là, les Togi, toujours dans le 84, il y avait toujours des problèmes là-bas. Et même en 1966, Mobutu, il avait réuni les gouverneurs parce qu'il y avait des problèmes là-bas. Est-ce que Mobou le zo bimalelo ba obo baka ba tout ça ba o salon wapi na minembo ou bien ailleurs. Mobou zo question. Ba tu ba kufa minembo. Non. Na Ituri. Na Ituri. Na peto ça na ba Emma na Balende. Écoutez. Ituri. Mobou lo yo biso to ebi ke Rwanda zo kota mingi tout ça to ebi mutu to ebi ngweza na minembo. Naba Gomino et consort. Les Rwandais au côté de M23, c'est une branche armée rwandaise, le M23. On prend des étiquettes comme les Basiles, comme le rôle de Gilles Kabila, on met devant l'AFDEL, c'est une rébellion. Ce n'est pas une rébellion. D'ailleurs, le professeur John Dugard, sud-africain, il dit ceci. Attendez. Le professeur John Dugard, dans International Law, il dit ceci. Que quand une rébellion de fils d'un pays, quand ils se battent contre l'autorité, parce que pour parler de la rébellion, il faut qu'il y ait des Congolais qui se battent contre l'ordre établi, contre le pouvoir. Mais une fois qu'il y a l'intervention d'une force extérieure, on a vu ça dans le cas du Nicaragua, quand les Américains sont intervenus pour soutenir les rebelles nicaraguayens. Le professeur John Dugard a dit ceci, que si la rébellion obtient le soutien et l'équipement des forces extérieures, cette rébellion ne peut plus être considérée comme une rébellion, c'est une agression. Et l'agression se définit selon la résolution 33-14 du 14 décembre 1974. C'est ça l'agression. L'agression, c'est quoi? C'est la violation de l'intégrité territoriale d'un État, ok? La violation de l'indépendance politique d'un État et de la souveraineté d'un État. C'est ça l'agression. Et puis, si on a même une statue à Rome, on vous parle de l'agression aussi. Pour moi, il n'y a pas de Tutsi congolais. Je dis ça et je suis droit dans mes bottes et je sais pourquoi je le dis. Pourquoi ça? J'ai fait beaucoup de recherches et j'ai vu que. Moi, je suis de l'Équateur. Comment est-ce que vous voyez mi bambo? Non, c'est tout à fait normal aux intellectuels. Alors, j'ai fait des recherches. D'ailleurs, Ndeko Basile a le bien que Tutsi par rapport à ma vache. Est-ce que hier, Lobaïga Nazaraki, je dis la même chose. C'est-à-dire que moi, dans ma vie personnellement, moi, à Longo, j'ai toujours. Bon, question. Zéla Mouké, la vie n'a pas tout, depuis mon moment, Nangana, a toujours du bon côté de l'histoire
Question. Avant 1884, avant 1884 et 1885. Ouais. Avant 1884, là, avant 1884, de Berlin. De Berlin. Nous, est-ce que côté à ma Congolais, Batusi na Bahutu, babaneko vivre kuna ou bien babaneko vivre te? Évidemment, le problème est que le pays, où ils ont la frontière, le peuple, c'est toujours. Il y a des parts et d'autres toujours, et il y a toujours des gens. Bon, question là. Si vous avez un Congo, Brazzaville, vous avez un Niele. Mais un Niele, tout le maintenant, le Congolais, oui, le Tutsi, Naba Hutu, au Bazala qui avant 1884-85, s'est retrouvé à Wana. Il y a un tracé État indépendant du Congo. Nationalité de Bango Bazabana. Bon, dans le Biboué, ce qui va. Tout ce qui est congolais, il va répertorier la liste des ethnies et des tribus du Congo. Balobi. Olga Bon, na Joseph Mas, va retracer qui la liste des tribus en 1935. Non, tu es en 1885. Oui, comme il a 35. Non, tu es en 1885. Nous sommes en 1885. Il faut la répertorier dans la tribu. Ok. Dans le Biboui, théorie Nangaï, ils ont se fondé essentiellement sur ça. Mais dans la pratique aussi, parce que tu as un témoignage, il y a toi qui vous n'a pas autochtone. Non, tu es en 1885, répondez à ma question. Tu es en 1885. Il y a un peu ma population, c'est la côté à Boye, côté Boye. C'est normal. Maintenant, c'est normal. Il y a un peu de côté à Bisso, l'air, le pôle 2, Arkati. Batouana, Nerbakati, Bazana la solennalité nini, rwandaise ou bien congolaise. Ok. Nako répond Bino en disant ceci. Ok? Nako répond Bino en disant ceci. Ngaï, Nalo se retrouve là en Belgique. Ça fait 18 ans que Nazan en Belgique. Hein. C'est pour autant parce que Nazan en Belgique, Nazan belge. Non! Oh, la Belgique a joué exemple. Belgique a joué l'indépendance en 1830. Oui. Yo lokolo yebi ba tribu wana ya tuti yo ezaki na Congo tangela na Congo na bango parce que tribu quand on parle d'une tribu on voit un roi traditionnel. Attendez est-ce que ngai na zana nationalité lolo zela nanu ngai na Belgique na zana nationalité belge est-ce que naza flamand ou wallon ou bruxellois au senga ki ya ngonde nge loi ya 1892 ezaki kotinda. Non, toujours le baba, tu vois, c'est là qu'il y a avant. Alors, on va automatiquement. Automatiquement, Wana. Voilà. Mais, dans l'époque où on est en 1884-85, Wana à Berlin, ma nationalité, on est maintenant fondée sur ma tribu. Et puis, ce qui est, ça peut bon moteur. Parce que là, on répond nous par l'absurde. Mais il y a alors, mon bout, tu as qui ordonnance. Wana tozo na ba 1800 et quelques y a zala qui pété. Y a pas zala qui na 1885. 1885 zala qui pété. Pourquoi pas ça qui? Maintenant, question Mosusu. Question Mosusu. Question Mosusu. Réponds-nous dans des questions. Non. Question Mosusu. L'air va Congo. Y a zamu Congo. Zela nano. L'air va Kati. Empire na bango. Ba Congo oyo bazalaki na Congo Brazza. Baza ba Congolais oya biso ou bien Congo Brazza. Bon, na lino baboye, puisque la ligne, vous voulez me faire dire que ba tuti bazalaki na Congo. Alors tangela la tribu yango parce que on parlait de Non. Tozo na question nationalité. C'est-à-dire ba tu oyo bazalaki na Congo. En 1885, il faut leur donner la nationalité. Ça va. Je connais Ndomba.
bato bazouta Congo Brazzaville bazouta ko sala marché na ndomba. OK? Bazana nationalité ni. Congolaise ya Brazzaville. Alors, ye kadanu. Supposons parce que on dit que baba Rwanda su. Non, na otiada kaya Rwanda. Oye côté ka marché na ndomba o sala une semaine bakati. Non. En 1892, il y avait une loi sur la nationalité. Avant cela, c'est là que je vous dis même que, à l'époque, le Rwanda a été Congo, a été droit au sein de la nationalité. Vous voyez bien, vous bien? Parce que la conférence de Berlin. Alors, ce qui est toujours la guerre à est aussi là. Non. Parce que Rwanda a été le sein. Les lois, 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 vous êtes tendancieux. On n'est pas tendancieux, on te demande déjà. Explique-nous, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, moi, je ne suis pas historien, je suis juriste. Mais pourquoi tu Et en tant que juriste, je vous réponds maintenant, pas en tant que juriste, il y avait une loi sur la nationalité en ce moment-là. Même si tu étais Rwandais, éclaircis le peuple qui te suit là-bas. Bon, alors, en 1892, c'est-à-dire 7 ans après la conférence nationale souveraine, et par exemple, 7 ans après la conférence à Berlin, tous les Rwandais, oh, bah, c'est retrouvé dans le Congo, ils avaient aussi le pouvoir, la possibilité à recevoir la nationalité. Parce que, autochtones congolais, ou à tenir au bout de moi l'année dans l'Ibanda, à Tan, en 1885, sont moi accueillis, en 1894, à Zongi, moi l'année à Zalaki congolais, à manière au sein de la nationalité. À plus forte raison, au Yaki, à Tabakati, des limitations aux étrangers, 1892, loi Ibanda, où existait déjà, tu devais demander aussi la nationalité. C'est ça ce que le droit dit. Parce que en 1992, l'OANA, le décret OANA en 1892, autorité coloniale, il y a le 27 décembre 1892, et maintenant on pense que ça va être une possibilité à recevoir la naturalisation. Mais l'ère indépendance, c'est le Kinini. Batouyo Bazana Congo, Bazui directement nationalité congolaise. Non. Yokangaï. Non. Attends, c'est là. Ok, ça va. C'est moi qui dirige, je sais. Sinon, je coupe ton catalan. Voilà, non, dictateur, parce que tout le monde a droit d'expliquer. Alors, il doit expliquer, Maître Basile, Monsieur Basile, il doit expliquer. Yozo a parole, Ming. C'est ça le problème. Dans 1975, Mobutu a fait ça qui, Angolais, surtout Bazalaka, dans Zaïre, a fait ça dans la nationalité zaïroise. Est-ce que, Tangi nanga ordonnance, on dit que tangi l'ordonnance il y a le 26 mars. Allons. Oui. Bon, pour raccourcir un peu, parce que on dirait que on discute sur le sexe des anges. Hein? C'est-à-dire qu'on va arriver à rien. Parce que notre moto, Azan tiré qu'à la voilà. Côté là. Lelo yoyo à Longo, tu deviens président du coup. Oui. Comment tu vas résoudre ce problème? Je vais résoudre ce problème comme ça. Je l'ai déjà dit au cours d'une émission précédente. Il va falloir instaurer une commission comme celle qui a été instaurée en Afrique du Sud. TRC, Truth Reconciliation Commission. Cette commission sera composée des juristes, des historiens, des hommes de Dieu, ainsi de suite, des sociologues. Bah, qu'on étudie question là de fond en comble. Ce qui Osa Congolais, tu as remarqué que Osa Congolais, on va te donner la possibilité à recevoir la nationalité. C'est comme ça que moi, en tant que chef de l'État, je vais agir. Mais tu as repris sa nationalité, Boïté. Tu as repris sa possibilité à recevoir la nationalité. Et puis, c'est que je vais vous dire une chose. Et là, que tu as pas ses alliés, ambivalence. Bah, tout le Congolais, ou bien, tout le Congolais, tant que tu as fidèle à eux, ça va se ranger côté là-bas. Tant que M23 va se ranger côté M23. CNDP à Koundabator va se ranger. Les loups, je vais se ranger côté. Mais dis,
Pourquoi est-ce que ma zombie a un problème dans la beauté? Pourquoi est-ce que ma moï, les moï, ce sont des gens qui sont en face de Bolobo? Aussi, on a un problème dans la beauté. Mais justement, on te fait. Un problème dans la beauté. Mais pourquoi? Les lois, dis-moi, pour la battoire, il y a l'armée, général d'armée. Je vous dirai même une chose. James Kabarebe, il était le chef d'état-major général et pas d'Abissou. En tant que Congolais, moi, Nyamouleni. Moi, j'étais dans l'armée quand il était chef d'état-major général. Moi, j'étais dans l'armée. J'ai fait la vie. Non, non, non. Mais moi, j'étais dans l'armée. C'était mon chef d'état-major général. Mais ça, ce sont des faits que moi, j'ai dit, moi, on a vivre. Moi, dans la Zagui d'armée. C'est Laurent Kabila qui a demandé au gouvernement rwandais de l'aider à refaire l'armée. Non, non, non. Ils étaient là. Encore, on a posé à Laurent Désiré la question. Il a dit, ça, ce sont des Banyamulenge. Il y a des vidéos sur ça. James Kabarebe, c'était un Mounyamulenge qui était... On le présentait comme Mounyamulenge chez nous. OK? Mais il n'était pas congolais. Les Banyamulenge se disent congolais, non? Les Mounyamulenge se disent congolais, non? Mais non, c'est là où tu fais la confusion. Quelle confusion? Mounyamulenge, ça a sauté. On a bien? James Kabarebe, il était... James Kabarebe était présenté comme Congolais. Bon, toi, tiens, bon, ok, ça va. Ok. Mounyamulenge, c'est une conception et il y a un ami de ça, c'est pas. Ok, toi, tiens, on peut mener. Kundabatoire, il était général dans l'armée d'Abisso. Non, il ne s'appelle pas Kundabatoire. Mon déformé comme un camp. Non, la zone pas Congo, ils ont connu en Oui, mais justement, c'est ça, justement. Alors, je suis ici en train de faire l'histoire. Mais non, mais justement, non, une histoire faussée. De fausseté. Parce qu'il ne s'appelle pas Kundabatoire. Il s'appelle qui alors? Il s'appelle. Moi, j'ai fait aussi le mot. Le mot là, Kundabatoire, c'est là, là, le voleur là. Non, mais Yozo, moi aussi non, Vital Kamerhe. C'est Vital Kamerhe qui avait prononcé ça. Ah, toi, pour ça, ça n'engage que toi. Si, nous, le commun des mortels a entendu Kundabatoire. Mais dis, comment on a eu l'armée, il va y avoir Kundabatoire. Mais justement, alors, si que, il ne s'appelle pas Kundabatoire. Il ne s'appelle pas Kundabatoire. Ça, il faut me donner des preuves. Ah oui, il faut me donner des preuves. Moi, je peux pas. Il faut savoir qu'il y a des gens qui nous suivent. Il s'appelle Mukunda Mihigo. Le nom de famille, il s'appelle Mukunda Mihigo. Laurent. Je connais ce nom-là. Mihigo. Il y a pas Kundabatoire. Moi, j'ai écrit un livre là-dessus sur Kundabatoire. Kunda Mihigo. Kundabatoire, c'est un gars qui a un mot. Sobriquet. On va pas discuter sur les sobriquets, mais il était dans l'armée congolaise générale. C'est ça la politique. Ok. Et là, qui est dans Rwanda, a commis Rwandais. Bosco Tangana. Là, qui est dans Rwanda. Là, qui est dans Rwanda, non? On va faire encore un débat dans Mais justement, tu donnes de fausses informations. Qu'est-ce fausses informations? Kunda Kimagiwa. Bon, yo, d'après Kunda Kimagiwa. Mais il a été arrêté par l'armée rwandaise. Et bon, il a été arrêté par l'armée rwandaise. Hein. En tant que qui, il est aujourd'hui au Rwanda. Rwandais, c'est là qui deal entre Kinshasa et Kigali. Bon, voilà, écoutez, nous ne sommes pas en train. C'est différent. Ok, nous ne sommes pas en train d'entrer dans ces détails là, arrestation à Nîmes. Mais on sait. Non, c'est la vérité. La vérité. Écoutez, nous n'allons pas dire de fausseté ici que Kundabatoire est une armée congolaise. Il était dans le RCD Goma. C'est lui qui était chef d'état-major, il y a RCD Goma. Est-ce qu'il y a une armée n'a pas sauté? FARDC, il y a une armée T. Armée congolaise. Non, est-ce que dans une RCD Goma. En bas? Général Kundabatoire, il a arrêté, il n'a pas fait de fiction. Mais non. Bon, je ne vais pas rentrer dans ces détails-là. Yoka. Mais laissez-moi dire ce que je veux dire. Il était dans la rébellion. Kundabatoire, il était congolais dans l'armée FRDC, armée Nabissou. Azagi na FRDC. Et Taliyo, Yom Tozolo Babongo. Bosco Tangana, Azagi na armée Nabissou. Bah, toi, là, n'a pas vérifié en haut. Azagi na armée Nabissou. Azagi na armée tenue, non? Oui, mais ça, c'est ça, après. Peu importe après ou pas après, mais il y a une armée d'Abisso, la tenue d'Abisso, la tenue armée d'Abisso. Alors, tu vas résoudre le problème à Congo, c'est le problème. Non, tu vas résoudre le problème à Congo, c'est ceux qui battent Missou, ils sont côté là-bas, criminels, ils sont côté là-bas, tout le Il faut d'abord qu'on maîtrise l'histoire. Mais ils ont démontré, on veut. Ambivalence, c'est l'incombe à
banyamulenge to batuti congolais so bazala biso bazala congolais so ba kena Rwanda ce sont des Rwandais so ki ba Rwandais ba ko sa biso ba baza parmi bango c'est ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que tu sais que il y a des banyamulenge qui ont fait la guerre contre des soldats rwandais? Tu sais ça? Tu as des preuves? Donnez-moi les preuves. Le général Masunzu banyamulenge kene ko tuna OK renseigne toi Aseni. Bah Masunzu, bah Obed, tous ces gens-là, on le connaît. Mais renseigne-toi, renseigne-toi. Mais moi, ici, on a des... Tu as été dans l'armée. Ici, tu me manques des preuves, c'est tout. Oh. Moi, je suis juriste, c'est un mode, parmi les modes de preuves, parmi ma mode, l'acceptation de preuves. Tu n'as aucune preuve, ce sont des allégations, mais des affirmations gratuites. Il te donne des preuves que non. Mais quelles sont les preuves qu'il a données? Testimonial. Sous, c'est que sous, qu'elle va vérifier. Oh. Ici, devant la caméra, cette déclaration là, c'est une preuve absolue. Comment tu veux dire ça? Devant les caméras, il dit que non, ma source, ceci, cela. Et moi, je prends comme ça une parole de l'évangile, je dis oui. C'est ça, d'après toi. Et non, quand même, dit, je suis juriste quand même. Dit. Voilà. Je ne peux pas me faire, entraîner comme ça dans des allégations. Il ne faut pas avaler tout de suite. Amen. Alors, ce n'est pas une parole défensive. Faire des recherches. Alors, ce n'est pas maintenant. Le débat ici, il est l'autre. Le débat, ça continue. On va toujours continuer le débat. Bah, il y a Moulengue. Mon frère, Bino Bosoloba, moi, je viens de voir un jeune frère qui vient à Kotokuna Est. C'est grave. Parce qu'il faut tout à l'identification. Moi, quand j'étais magistrature militaire, aujourd'hui, audition, il y a soda. Et là, on va aller retourner au bi. Depuis quand est-ce que tu es dans les forces armées? Et avant même au banana, non, ton nom, comment naio, poste nom, nom du père, décédé ou vivant, aussi lit, au côté d'un village naio. Tu connais le Soudan? Oh, dis, ngalazoloba. Tu connais le Soudan? On va identifier pour toi là, territoire naio, localité naio, tout ça. On a tout, région naio. Batouana, par contre, l'armée, Baza même identifié, t'es en désordre comme ça, l'armée, Nabiso. Alongo, Yokanano. Alongo. Au Soudan, c'était la même chose. Bagoïm, c'est la Soudan. Pour régler le problème, on a pacifié. Baza pour quoi? Baza pour quoi? Finalement, à un certain moment, la communauté internationale, on a tranché. On ne va quand même pas continuer à dépenser l'argent comme ça. Regarde la MONUSCO, ça coûte plus $1 billion. Qu'est-ce que la MONUSCO fait? On tue nos frères là-bas, Béni, la MONUSCO ne fait rien, mon frère. Il ne faut pas dire des choses comme ça qui révolte les gens. La MONUSCO ne fait rien. Attendez. C'est là. Sur Otali, ma résolution, il y a Nations Unies sur la MONUSCO. Vous voyez que la MONUSCO a le pouvoir pour protéger ma population civile. Oui, d'accord. Est-ce que les lots, ce que MONUSCO a. À Longwe na Congo. Est-ce que Congo est au ça, c'est un autre discours. MONUSCO a un mandat de la protection de la population civile. MONUSCO d'abord a 5 déjà qu'on peut. Moi, je connais des gens de Beni. Parce que ça, MONUSCO. Parce qu'on peut attaquer MONUSCO pour la Nîmes. Tika Makele Lewana. Ou bien, j'ai l'impression que Bino de Bazo Tinda, pour les Congolais, va comprendre les locaux de la SCT. Face Nabino bien. Bon Congo et Boé Kabouana. Voilà, donc vous voulez nous imposer. Pas imposer les étrangers dans notre pays. Non, comprendre. La nationalité s'obtient pas par la force des armes, la nationalité s'obtient en suivant les règlements. Qui dit ça? Qui dit ça? Congolais en Belgique. Nani, non. Nani à l'Obi Bongo. Nani à l'Obi Bongo. Je dois demander la nationalité. Non, Nani à l'Obi Bongo. Nani à l'Obi Bongo. Nani à l'Obi Bongo. C'est ce qu'on a dit ici? Non, c'est ce qu'on a dit ici? Biso tolo banin. Non, bino nde, baso utiliser bino pour ba congolais ba comprendre situation ya STT pour MONUSCO à Longwa pour guerreria ba pas à Congo. Je te dis déjà que Obi que biso baso utiliser biso. Moi d'abord je te retire cette parole. Je veux que tu retires cette parole que moi je suis utilisé. Moi je non non alors d'une façon générale. Deuxièmement, il peut ne pas être utilisé, mais deuxièmement, je n'ai pas ça in extenso ici. Parmi les mandats, parce que parmi ma mission il y a MONUSCO et Zali protection de la population civile. Babou Inabango. Bon,
Monisco, Congo et Kéi. Est-ce que tu es d'accord avec moi? Est-ce que tu sais au moins que la Monisco a pour mandat la protection de la population civile? Et moi, d'après moi, Ngboko Alongo, la Monisco ne respecte pas ça, cette mission, elle n'accomplit pas ça. D'après eux, il faut balle. Voilà, on continue à débat Moussousou. On continue à débat Moussousou. Débat à Monisco. Monisco a échoué lamentablement la mission à elle, a protégé la population civile. Non, tu peux ça là. Tu peux ça là rendez-vous na terre rien et tu négocie la biloko ou confirmer na wa. Bon, ce que bon que notre bon que on vérifie. Moi j'ai vérifié. Na tiré ma copie de chez Belé. Alors, ce qui bon que on vérifie. Mais bilo bon bon que on va prendre. Je suis allé vérifier ça, j'étais avec vous. Mais c'est toi qui nous a envoyé. Bon que na côté à gare centrale là, il y a une bibliothèque. Et ça pour la population baye ba makambo isolé. Na il ma population dans la Kibi no ba carte oyo par exemple. En 1809, enclave de la deux Zalaki. Beaucoup de gens ne savaient pas ça. Mais les autres, pas Seda, enclave de la deux. N'a démontré que Congo, en 1885, Congo est Zalaki, Tina Rwanda. N'a démontré en gros. La Kivu est totalement à Congo. La Kivu. Mais si avec Rosemont et la Nagui, Batiké la Kivu parti moko Rwanda. Bango balobi la Kivu nyon c'est celle qui na Rwanda. Mais na l'action carte était carte là, j'ai dans l'action sous carte. Filmé on peut bien. Oh, filmé on bien. Bon, ba tata ba mama bande. C'est là nanu, c'est là nanu. Ta, oyo ni. C'est là nanu. Filmé. Ezawa, baso. Alors, wa les awa. Pointillo ezo la frontière. Est-ce que Rwanda yango yo, c'est là qui na carte ya ya Congo oui ou non? Est-ce que c'est moi qui ai écrit ça? Est-ce que Congo a mis un Yum de tracé qui a mis? Non, mais réponds-moi. Réponds. Est-ce que Yum de tracé qui a mis? Tracé à Congo et Salamaki en 1885. D'accord, en 1885. Oui. Yo, Zalaki, on a un tracé. Mais n'est-ce pas comme un document? Les documents sont là, les documents. Banane de tracé. Enfin, Zalapé, bon moto. D'après, mais pourquoi non, vous parlez? Alors pourquoi tu parles même de que il y avait des tout mais, ça? Mais on te fait. Tu as lu, tu t'es documenté. Écoute, comme moi aussi je me suis documenté. On a tout une question. Oui. On achève l'État. Oui. Comment tu vas résoudre? Je t'ai donné une solution. Tu as reçu. Trouve vérité et réconciliation. Il faut que les gens disent la vérité. Ah, oui, réconciliation. Réconciliation, tu vas faire c'est avec normal, lui. Place va venir réconcilier. Mais c'est ça, mon cher. Non, la réconciliation ne se fait pas comme ça, mon frère. Emmanuel Kant a lobby Boyé, un traité de paix. Pour que ce traité de paix soit un véritable traité de paix, Emmanuel Kant, Azara allemand, Azara philosophe allemand, a lui pour traité de paix, Azara un vrai traité de paix. Il faut que ma signataire ait traité de paix. Traité de paix avec qui? Moi, je dis ce qu'Emmanuel Kant avait dit. Pas traité de paix Congo, ben non. Je dis ce qu'Emmanuel Kant avait dit. Que pour qu'un traité de paix puisse avoir la valeur d'un traité de paix, il faut que les signataires de ce traité n'aient pas des idées derrière la tête. Exemple, Ngaï Nazobuna, la signée dans la traité de paix a cessé le fait de signer la traité de paix. Mais n'a pas que ma arme n'a commandé en Russie dans 6 mois. Pour ceux qui n'ont pas idée, on a mouté dans la signée. 6 mois, on a demandé que le banda, et on a le banda le soubitouma. C'est-à-dire que le traité de paix en Zarango, c'est un faux traité de paix. Nasuka, il faut reprendre les sous. Il faut retenir une chose, il n'y a pas de tout Congolais. Dans 1892, dans 1885, la frontière dans l'accès en Ouaboué, Rwanda, Congo est arrêté dans le cas de Rwanda en 1885. Donc déjà en 1888, tu as l'année fournie les frontières des Alaki. Cela veut dire en d'autres termes que Bazaki est soumis, la population des Alaki soumise n'a pas la nationalité. Parce que même les autochtones congolais, selon le droit, en dehors de la frontière nationale, tant que Bazaki est dans Congo. Oh mon frère, moi je ne suis pas là pour répondre à d'autres questions. En plus de cela, pour Angaï, ce qui Batuti, Congolais, Bazaki Congolais. Il n'y a pas de nationalité en 1971. D'ailleurs, en 1972, le 5 janvier, Mobutu avait restreint la sphère d'acquisition de la nationalité congolaise
Bato ba vota le 1er janvier 1950, 10 à 60, ba perdre la nationalité. Et là, nous avons la convention de la Haye. Du 12 avril 1932, ba que les autorités d'un État, ba za souverain pour décider sur la nationalité de Bango. Exemple, ba ndibu, ba za participer na terrorisme en mingi na mboka, ba autorité belge, ba à partir d'aujourd'hui, bino ba ndibu, ba za sur la nationalité belge, té, to ba na opesa bino ka résidence permanente. Ba za libre, ba za bon, ça veut te comprendre, à longue à l'obi, bah tous les Congolais, bah ça l'a gâté. Oui. Mais là, Basile. Bah où tout Congolais, bah oui, bah où tout Congolais. Mais ils ont ça où tout déjà, où tout ça. Où tout Rwandais, où tout Rwandais Congolais, Azalaka. Tokende boy. Est-ce que où tout Rwandais Congolais, Azalaka. Le problème qui se pose ici, bato bazolo baza discriminé, ce ne sont pas les Hutus congolais, ce sont les Tutsis congolais. Non, Baizi, les grands chefs coutumiers Baizi, Aza Hutu, Alobi, Aza discriminé. Naï, Alobi Boe. Les loyaux, le problème qui se pose, bazolo chanter sur tous les toits, oh Alobi qui est, il y a des Tutsis congolais qui sont discriminés. Ngai na tout mio, est-ce qu'il y a des Hutus Rwandais congolais? Est-ce que la question qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est une question de Hutu congolais ou de Tutsi congolais? Hutu congolais? Oh, dis-moi. Hutu Rwandais congolais, ça nous préoccupe dans cette émission. Pygmée Rwandais congolais, ça nous préoccupe. Na tous. On va embrouiller la piste. La chose est claire, les Tutsis congolais ne sont pas discriminés chez nous, ce sont des Tutsis rwandais, ceux qui burundais. Parce que les Banyamulenge, parmi les Banyamulenge, il n'y avait pas que les Rwandais, hein. Il y avait aussi les Burundais, les Barundi. Il y avait aussi dans les Banyamulenge. Banyamulenge, c'est pas congolais. Mais Banyamulenge, écoutez, Banyamulenge, c'est pas congolais, parce qu'une tribu Banyamulenge n'existe pas. Parce que pour parler de la tribu Banyamulenge, il faut parler d'un roi Banyamulenge, un Mwami Munyamulenge. Il n'existe pas au Congo, un Mwami Munyamulenge. Moi, je ne connais pas un Mwami chez moi. Comment? Chez les Bakongo, on les appelle les Fumu. Chez nous, les Bangalore, on les appelle les Kumu. Non. Mais comment? Non. Mais chez vous, on les appelle qui les rois? Biso depuis décadence, il y a Royem Kong. Ouais. La chefferie, on n'est pas. Mais dis, Nanabi Boy. Vous allez sauter. Oh, boy. Zingakouvu. En réalité, ces rois-là, c'était des chefs traditionnels. Bon, pour la ressource, ça, Basile, yo, tous les Congolais, Bazalaka ou Bazalaka te? On a une question à vous poser. Tu es Bazali? Bazate! C'est une évidence. Bazate! C'est une évidence. Ok, Batouti, Congo et Boy Batpayate, vous avez la nationalité normalement. Si vous avez une nationalité, vous avez Sibino. Il faut rectifier phrase. Donc, il faut avoir rendez-vous. Cette communauté n'a pas pris les armes pour demander la paix. Moi, j'ai fait des recherches très approfondies. En 1996, parmi les causes, il y a guerre, il y a Afdel, mais je suis à Mobutu, intervention à Mobutu, à l'étranger, à Kédé, au Kota, au général Rougiema, à Koufaka, à Para, à Kanseta. Qui est en Angola pour soutenir Savimbi, alors ça va intervention, c'est l'une des causes. Notre intervention, il y a Mobutu, à l'extérieur, c'était l'une des causes. Et la revendication de la nationalité congolaise par les Banyamulenge, ils n'ont pas réclamé la nationalité congolaise, puisqu'ils sont congolais. Moi j'ai vu des documents, j'ai fait des recherches là-dessus. Ils sont congolais, les Tali Yomoko. Ceux qui ont été corrompus, ils ont été pressionnés, ils ont été talis. On a commis des recherches. On a commis des recherches. Ni bon.
Donc, tu mets ça na babikolo ndenge na mboka na biso. Boye bayango. Na mboka na biso, Congo bazali, Baluba bazali, Yaka bazali, Bangala, Bakongo, bikolo nyoso, ezala ba Banyarwanda bazali pe. E na kacha ba Banyarwanda wana, ba Hutu, ba Tutsi, ba Twa, bazana kati. Donc, faut que bango ke, nyoso neza lisanga ya Congo. To luka kaka ba institution, oye ko sala ke, donc mélange c'est salama mingi, mélange salama, mélange salama. Donc mokilizana ngo immigré. Monde entier za immigré. Donc mutoreur lo bateke oh ya kokoma awa te, oh ya kokoma. Abongo biso ba Congolais to kimi to yaba na mboka ba mindele awa. To vande aux nationalité belge. Ta aux nationalité belge pour nani. Pour nani na kimi. Donc mokilese kuma na ngo immigré. Ko ta na États-Unis ba mindele ba vande na États-Unis na. Il y a immigration de l'autochtonité. Donc, il y a des immigrés. Donc, ceux qui ont besoin de débats, ils ont besoin de débats. Ils ont besoin de rendez-vous pour débattre. Ils ont besoin de éclaircir le peuple. Ils ont besoin de reposer. Voilà. Donc, aussi, ils ont besoin de débats. Pourquoi ils ont besoin de débats? C'est là la zoya. Ambiance ya politique, c'est comme ça. Oui, ça lui est bien. Il faut maintenant pour retirer à Kimia na est de la République démocratique du Congo et loko moko Banyamulenge ou Batusi. Bazolinga mabele na bisoté. Biso moko ndeto géré bango. Ba oyo bayaki avant 1885 totala tout ça bango nationalité parce que ba mosusu bazalaki na Goma neti ba Rwakabuba ba sala ba société ba eda ba congolais ba bango tokoki ko pesa bango ba nationalité toza aussi na ba Hutu rwandais congolais lokola papa Bisukiro azalaki premier ministre ya commerce ya Lumumba. Asa, Hutu, toza na babaizi, basa ba Hutu. Maintenant, totala ba oyo ba transplanté, totala ndenge nini toko pesa bango nationalité, na oyo ba réfugié. Eza, nde gouvernement na biso e organisé. Soki, toza li bongo te, toko zala na pete. Oh, na este wana ba minere, eza ebele, batu ba komi ko profite na yango, Naba occidentaux, naba trouble wana au détriment ya peuple congolais. Ils ont senga biso moko ba peuple congolais toza la mayele. Toza la mayele. Na ba makambongo, naba occidentaux, bazoya ba multinationales. Civilisation, au moni ba débat ya boye, et ça bien ko sala ka yango, peut-être to koya retrouver ba solution. Ba débat ya boye. Maintenant, à niveau ya gouvernement doit favoriser le débat ya boye. Il faut ba historien. Au moins, il faut ba historien. Il faut ba historien. Il faut ba historien. Ba sociologue, ba anthropologue. Mais na Congo, ba tuana, ba lekaka na ba télévision te, kaka ba politicien, ba zoya pour na ba intérêt na bango. Voilà, donc, je te remercie. Je vous remercie, maître Alongo, Nenge Aye, et ça, moi bien, pour ba équilibrer le débat. Oui. Merci mingi batata ba wa ndeko na sato komi na suka ba na sato okuta na mokolo ya mercredi oyo toza susu kana ba débat na biso politique na parlement matonge
Rendez-vous, monsieur, vous allez à la source. Watanabe Motonatembe, Napesi, Pasteur Pasteur Patou Soda, Place Azali, Pasteur Patou Soda, Napesi Bambote Zaebele, Napesi Papi Katombe, Place Azali, Papi Katombe, Napesi Bambote Bele. Merci, Tokomi Nasuka, donc merci, Tokutani Mokola Mekeli.